Heavenly Father, Père céleste, we want to thank you for another opportunity. Nous voudrions te remercier pour cette nouvelle opportunité. To study your word. D'étudier ta parole. We ask that you would be with us and bless us. Nous te prions d'être avec nous et de nous bénir. And that by our service to you this evening. Et par notre service pour toi ce soir. Through this worship. À travers ce culte. You would be pleased. Ça sera agréable pour toi to send us the Holy Spirit, de nous envoyer le Saint-Esprit to guide and direct our hearts and our minds. Afin de nous diriger nos cœurs et notre esprit. We pray in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. In our presentation yesterday, dans notre présentation de la veille, we reviewed some of the material from the first evening. Nous avons fait une révision du premier matériel que nous avons vu le premier soir. And then we began to discuss our great need. Et ensuite, nous avons commencé à discuter de notre plus grand besoin. And as we did that, et alors que nous avons fait cela, we directed our attention. Nous avons donc dirigé notre attention to Revelation chapter 3. Vers Apocalypse 3. Where we saw our condition. Où nous avons vu donc notre condition as God's people. En tant que peuple de Dieu. Was the Laodicean condition. Nous sommes dans une condition laodicéenne. And we saw that on this little box that we have here. Et nous l'avons vu là dans ce carré là que nous avons écrit. Where it tells us that we are lukewarm. Où il nous est dit que nous sommes tièdes. But in reality, we're not lukewarm. Mais en réalité, nous ne sommes pas tièdes. In reality, we're dead. En réalité, nous sommes morts. In our sins and our trespasses. Nous sommes morts dans nos transgressions et dans nos péchés. We live lives. Nous vivons une vie. That are in rebellion to God. Qui est en rébellion contre Dieu. We eat according to our own will. Nous mangeons selon notre propre volonté. And we dress. Et nous nous habillons. In agreement with the world. En accord avec le monde. In so many different ways. Dans de plusieurs façons différentes. We're no different to the world. Nous ne sommes pas différents du monde. But we're all hypocrites. Mais nous sommes tous donc des hypocrites. Actors. Des acteurs. Pretending to be saved people. Nous prétendons être des personnes sauvées. But in reality, finding ourselves being lost. Mais en réalité, nous nous trouvons perdus. Then we went. Ensuite, nous sommes allés. To Ezekiel chapter 37. Vers Ézéchiel 37. And we read only a few verses. Et nous avons lu que très peu de versets. But what we could see. Mais ce que nous pouvons voir. In that chapter. Dans ce chapitre. Was the remedy. Ça a été donc le remède. To our problem. Le remède pour notre problème. And if you remember. Et si vous vous souvenez. God commanded Ezekiel. Dieu a demandé à Ézéchiel. To prophesy twice to those dry bones. À prophétiser à deux reprises pour ces ossements desséchés. And what we're going to begin to see. Et ce que nous allons commencer à voir. When we continue to discuss the everlasting gospel in these three steps. Alors que nous allons continuer à discuter donc de l'évangile éternel sous ces trois étapes. Is that these first two prophecies. C'est que les deux premières prophéties. In Ezekiel 37. Dans Ézéchiel 37. Represent these first two messages. Représente donc les deux premiers messages. We all understand. Nous comprenons tous. That these messages. Que ces messages. Are prophetic in their very nature. Sont prophétiques dans leur essence même. They predict something that's about to happen. Ils prédisent donc quelque chose qui est sur le point de se passer. Whether it's the time of Christ. Que ce soit à l'époque de Christ. Moses. Ou à celle de Moïse. Aaron. Aaron. Noah. Noé. In any of these stories. Dans chacune de ces histoires. You can see this prophetic message. Vous pouvez voir ce message prophétique. And it's always given in these three steps. Et ce message est toujours donné en trois étapes. We don't have very long. In this series. Nous ne faisons pas une longue série. So I'm going to try to attempt to deal with at least a few histories. Je vais essayer donc de toucher à quelques histoires au moins. We're going to try and spend some time looking at the Millerite history. On va essayer de passer du temps à regarder à l'histoire des Millérites. And a brief overview of the story of Noah. Et aussi un bref aperçu de l'histoire de Noé. The story of Noah. L'histoire de Noé. Is very illustrative. Est très illustrante.
And it shows us many things. Et elle nous montre plusieurs choses. On how to understand prophecy. Sur la façon de comprendre les prophéties. And it also begins to explain to us. Et cette histoire nous enseigne aussi. What Jesus meant. Ce que Jésus signifie. In Matthew 24. Dans Matthieu 24. When he said. Lorsqu'il dit. As it was in the days of Noah. Comme cela fut le cas dans l'époque de Noé. So shall it be at the end of the world. Donc il s'en sera de même à la fin du monde. Now every single one of you knows that statement. Et chacun d'entre nous, nous connaissons cette déclaration. Because he then goes on to speak about the days of Lot. Parce que ensuite il poursuit en parlant des jours de Noé, de Lot, pardon. And you've probably heard presentations and sermons on these subjects. Et vous avez certainement entendu ou vu des présentations sur ce thème. Now, if you review donc maintenant, si vous révisez, the verses in the book of Genesis that deal with the story of Noah. Si vous révisez donc les versets, les mots de la Bible qui parlent de l'histoire de Noé. And you look at Ellen White's statements. Et que vous regardez aux citations donc d'Ellen White. What conclusion do you come to? À quelle conclusion arrivez-vous? What was it like in the days of Noah? Comment c'était à l'époque de Noé? What is the Lord trying to teach us through that story? Et qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous enseigner au travers de cette histoire? From my observations and interaction with God's people. Et de mes observations, de mes interactions avec le peuple de Dieu. Most of us. La plupart d'entre nous. Believe that the way Noah. La plupart d'entre nous croient que la façon dont Noé and his story et son histoire are going to be brought to the end of the world va être amenée à la fin du monde is because there's a lot of gluttony. C'est parce qu'il y a beaucoup de gloutonnerie. People have an excess of food. Les gens mangent avec excès. And adultery is rampant. Et l'adultère sévit partout. People divorcing and remarrying. Les gens divorcent et se marient de nouveau. In the church and in the world. Que ce soit dans l'église ou dans le monde. And we take those two themes from the story of Noah. Et nous prenons donc ces deux éléments qui se trouvent dans l'histoire de Noé. And we think that's what the lesson is teaching us. Et nous pensons que c'est cette leçon-là qu'elle nous enseigne. Then we might think about the story of Lot. Et ensuite nous allons peut-être penser à l'histoire de Lot. And again we'll get a very similar story. Et de nouveau là nous aurons une histoire à peu près similaire. What I'm suggesting, mais ce que je suggère, what I'm telling you, du moins ce que je vous dis, is that more often than not, que plus souvent que jamais, we look at those stories, nous regardons donc à ces histoires, and all we're able to do is take the moral lesson, et tout ce que nous sommes capables de faire, c'est de tirer les leçons morales, and make an application at the end of the world, et ensuite d'en faire une application à la fin du monde, which is only a moral one, et ce qui n'est qu'une application morale. So, as a very simple example, si nous prenons un exemple vraiment simple, in the story of Lot, dans l'histoire de Lot, before Sodom is destroyed, avant que Sodome ne soit détruite, what is the story? Quelle est donc l'histoire? Abraham is sitting in his tent. Abraham est assis dans sa tente. And who visits him? Et qui le visite? Des anges. How many people? Combien de personnes? Suis. Three. Now, do you think that's a coincidence? Pensez-vous qu'il s'agit d'une coïncidence? Of course not. Bien sûr que non. Because those three people, parce que ces trois personnes, are typifying, typifie, these three angels' messages. Ces messages des trois anges. And when you begin to see the gospel from that perspective, et lorsque vous commencez à voir l'évangile sous cet angle, these things begin to make sense. Cela commence à prendre du sens. So yesterday, donc hier, I introduced the idea to you. Je vous ai introduit cette idée. That these two angels, que ces deux anges, first and second, le premier et le deuxième ange, are the warning, sont l'avertissement, that judgment's about to happen, que le jugement est sur le point de se passer. That we can understand these messages in many different ways. Et nous pouvons comprendre ce message de plusieurs façons différentes. But when you go to the story of Lot, mais lorsque nous allons donc dans l'histoire de Lot, and there's these three angels, et on trouve donc ces trois anges, what happens? Que se passe-t-il? One of them remains behind. Alors il y en a un qui reste à l'écart en arrière. And what do the other two do? Et les deux autres que font-ils? They go to Sodom. Ils vont à Sodome. And they meet Lot. Et rencontrent Lot. And where do they meet Lot? Mais où le rencontrent-ils? Do they meet him in his home? Est-ce que c'est chez lui? They don't. Non. They meet him. Ils le rencontrent. In an open area. Dans un espace ouvert of the city. De la ville. And if you check carefully, et si vous vérifiez attentivement, it says they meet him at the gate. Il nous est dit qu'il le rencontre à la porte. Now,
We've seen that these words. Nous avons vu que ce mot se lever stand up. Se lever. It's the word stand up. Le mot se lever. Valley. Le mot valley. They all are symbols of something. Sont tous un symbole de quelque chose. So I'm saying gate. Porte, P-O-R-T. Donc je dis porte. Is also a symbol of something. T-I, pardon. Est également un symbole de quelque chose. And what a gate is a symbol of? Et la porte, c'est un symbole de quoi? Is that if there was any trouble in a little village or a town? Donc ça veut dire que si il y a un problème dans ce petit village, dans cette ville. A dispute. Donc. A dispute. Une dispute. There would be a court case. Donc il y aura un cas ouvert, un tribunal, quoi. The elders would come together and decide. Donc les anciens vont se rassembler et décider. And where would they do that? Et où font-ils cela? They didn't have a building. Ils n'ont pas d'immeuble, de bâtiment. It would be at the gate. Ça va se faire à la porte. Of the town. À la porte de la ville. So a gate. Donc la porte. Becomes a symbol of judgment. Devient donc un symbole du jugement. So these two angels. Ces deux anges. When they come and meet Lot. Lorsqu'ils viennent pour rencontrer Lot. At the gate. À la porte. That's indicating what? Cela, qu'est-ce que cela indique-t-il? Judgment. Que le jugement. Is about to begin. Que le jugement est sur le point de commencer. Which is the first step. Parce que c'est la première étape. And what do these angels do? Et qu'est-ce que ces anges font? They warn Lot. Ils avertissent Lot. The destruction is about to happen. Que la destruction est sur le point de se passer. And that's in agreement. Et cela est en accord. With the definition that I gave yesterday. Avec la définition que je vous ai donnée hier. That you see it in Ezekiel 37. Que vous voyez dans Ezekiel 37. You have two prophetic messages. Vous avez deux messages prophétiques. That are a warning. Qui sont donc un avertissement. That wake God's people up. Pour réveiller donc le peuple de Dieu. In preparation for the judgment. En préparation pour le jugement. Now was Lot. Est-ce que Lot. A righteous man. Était un homme juste. The Bible says he was. La Bible déclare qu'il l'était. What was he doing in Sodom? Mais que faisait-il donc à Sodome? Why was he there? Pourquoi était-il là? He wasn't there for a good reason. Ce n'était pas pour une bonne raison. He was there. Il était présent. For a number of reasons. Pour plusieurs différentes raisons. But primarily. Mais premièrement. It was all about luxury and enjoyment. C'était par rapport à la luxure et aussi à peut-être les choses agréables. Because he should have been in the country with his uncle. Parce qu'il aurait dû être à la campagne avec son oncle. But he decides. Mais il a décidé. Hein, on the pretext that there are too many sheep. Sur le prétexte qu'il y avait beaucoup trop de brebis, de bétail. To move closer to the city. De se rapprocher donc de la ville. If you check the story. Et si vous vérifiez and l'histoire. And how Ellen White portrays it. Et la façon dont Ellen White la décrit. They didn't move to Sodom straight away. Ils ne sont pas allés à Sodome directement. It was step by step. C'était progressivement, pas après pas. By the time he's got a house in the city. Et au moment où il a eu une maison dans la ville. This person. Cette personne. Is fast asleep. Et est endormi profondément. Dead. Il est mort. In his trespasses and sins. Et cette personne est morte dans ses transgressions et dans son péché. And these two angels. Et ces deux anges. Symbols of the first and second. Les symboles du premier et du deuxième ange. Are there to wake him up. Sont là pour le réveiller. And as you develop this story. Et alors que vous développez cette histoire. You will see there's a lot more prophetic information. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'informations prophétiques. Than you would ever have imagined in the story of Lot. Que vous n'aurez jamais imaginé trouver dans l'histoire de Lot. But let me read something to you. Mais laissez-moi vous lire quelque chose. We're Adventists. Nous sommes tous adventistes. Hein? And in Testimonies to Ministers. Et dans Témoignages pour les ministres. Page 31. À la page 31. Testimonies to Ministers, page 31. Alors, témoignage pour les ministres, page 31. We're told the following. Il nous est dit la chose suivante. We have nothing to lose. Sorry, we have nothing to fear. Nous n'avons rien à craindre. For the future. Du futur. Except. À moins. As we shall forget the way the Lord has led us. À moins que nous n'oublions le chemin sur lequel le Seigneur nous a conduits. And his teaching. Et son enseignement. In our past history. Dans notre histoire passée. So there are two things. Il y a deux choses. That she says. Il y a deux choses qu'elle dit. That if we held on to. Si vous vous raccrochez. We would have nothing to fear. Nous n'avons rien à craindre. When I hold presentations like these. Quand j'entends des présentations telles que celle-ci.
the overwhelming response that I get from people, quand je tiens des présentations telles que celle-ci, la réponse que j'ai des gens, is that they're scared. C'est qu'ils ont peur. They have a fear. Ils ont une crainte about these truths. Au sujet de ces vérités. And they ask, et ils demandent, as did the Jews of ancient days, comme les Juifs à l'époque antique, what must I do to be saved? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? And I'm suggesting the reason for this, et je suggère la raison pour cela, is because we've forgotten, c'est parce que nous avons oublié, the way the Lord has led us, la façon one, dont le Seigneur nous a conduit, and we've forgotten, et ensuite nous avons oublié, his teachings, son enseignement. We've forgotten two things. Nous avons oublié deux choses. How he led us. Comment il nous a conduits. And the truths that he taught us. Et les vérités qu'il nous a enseignées. In our past history. Dans notre histoire du passé. And I know this for certain. Et je sais cela pour sûr. I go to many places across the world. Et je vais dans beaucoup d'endroits partout dans le monde. And if we were to have a quiz. Et s'il nous fallait avoir un quiz, un questionnaire. About how much you know. Sur la quantité de choses que vous savez. Just about the information on this chart. Juste par exemple à ces informations qui se trouvent sur cette carte. Who put it together? Qui les a mises ensemble? Why it was created? Pourquoi elle a été créée? The verses that were fulfilled in the scriptures. Les versets qui sont accomplis par rapport à cette carte dans la Bible. Because this was a fulfillment of prophecy. Parce que c'est un accomplissement de la prophétie. Many, many different things. Beaucoup, beaucoup de choses. Many of us don't know. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas. We've forgotten how the Lord has led us. Nous avons oublié la façon dont le Seigneur nous a conduit. Worse than that. Mais pire que cela. There are truths on this chart. Il y a des vérités qui se trouvent sur cette carte. Which are the foundational truths of Adventism. Qui sont le fondement, les vérités fondamentales de l'adventisme. Which we don't even believe anymore as a church. Et en tant qu'église, nous n'y croyons plus. This chart's a bit small to see. Et cette carte est un peu petite pour voir. But you can see 508. Mais vous pouvez voir la date de 508. At the very top you can see 677. Et en haut là vous pouvez voir la date 677. You can see 606. Vous pouvez voir 606. 1299. 1299. All of these dates. Toutes ces dates. Are events. Sont des événements. That our forefathers. Que nos pères. Believed were a fulfillment of prophecy. On crut que c'était un accomplissement de la prophétie. And were so important. Et que ces dates étaient si importantes. In their teaching. Dans leur enseignement. In the way the Lord was leading them. Dans la façon dont le Seigneur les conduisait. That they saw fit to put them on a chart. Qu'ils ont vu qu'elles étaient aptes à être placées sur une carte. But the dates that I just mentioned. Mais les dates que je viens juste de mentionner. Many of our leaders today. Et beaucoup de nos dirigeants aujourd'hui. Have come to the conclusion. Sont parvenus à la conclusion. Are mistakes. Que ce sont des erreurs. They're actually, they weren't even fulfillment of prophecy. Qu'en fin de compte, ces dates ne sont pas un accomplissement de prophétie. We've rejected these teachings. Nous avons rejeté cet enseignement. So, the laity like ourselves. Donc des laïcs comme nous. Have never been taught these truths. Nous avons ces vérités ne nous ont jamais été enseignées. Worse than that. Mais pire que cela. If people like myself, si des personnes telles que moi, hold meetings like this, tiennent des réunions telles que celle-ci, and discuss these events and these prophecies, et discutent donc de ces événements prophétiques, remember what you read in Ezekiel 37. Rappelez-vous, nous avons lu Ezekiel 37. These messages cause a shaking. Et ces messages créent un criblage. Because people in our church, parce que les personnes dans notre église, feel troubled. Se sentent troublés. That people like myself, que des personnes telles que moi, hold meetings like these, organisent des meetings comme celui-ci, for the purpose of teaching God's people these forgotten truths. Dans le but d'enseigner au peuple de Dieu ces vérités oubliées. But I think, mais je pense, I'm following the counsel given in testimonies to ministers. Que je suis le conseil donné dans témoignages pour les ministres. But it's for each of us to decide. Mais c'est pour il convient à chacun de nous de décider. Whether or not this is so. Si c'est le cas. Now this evening I said I wanted to speak to you. Donc ce soir j'ai dit que j'aimerais vous parler. About Daniel chapter 12. De Daniel 12. Verse 1. Verset 1. But before we do that, mais avant de faire cela, I want to take us to another history. J'aimerais vous amener dans une autre histoire. Quite often, et souvent,
In meetings like this, dans des réunions telles que celle-ci, we seem to attract nous semblons être attirés a certain class of Adventists. Par une certaine classe d'adventistes. They tend to be conservative. Donc cette catégorie d'adventistes sont plus ou moins conservateurs. They tend to be health reformers. Ce sont des réformateurs de la santé. You might consider them to be people Adventists who are on the stricter side. Et vous pouvez les considérer comme des adventistes qui se trouvent dans le côté très strict of the church. De l'église. But not always. Mais pas toujours, c'est pas toujours le cas. But by and large, we seem to attract that class of people. Mais il semblerait que nous attirons cette catégorie de personnes. And one of the questions that come up over and over again. Et une des questions qui est suscitée, soulevée toujours. By people who have this background. Par ces personnes qui ont donc cette histoire. Is the following. C'est celle-ci. So I'll just put the number down, and you'll know straight away what I'm talking about. Donc je vais mettre le nombre et vous allez comprendre tout de suite de quoi je fais allusion. 1888. Everybody. Tout le monde. Who's a conservative Adventist? Qui est un adventiste conservateur. Is interested. Est intéressé. In my thoughts. Dans mes pensées. On 1888. Sur 1888. And how I relate to it. Et comment quel lien je fais avec. Because people have very strong opinions on this subject. Parce que les personnes ont une opinion très forte sur ce sujet. And they want some answers. Et ils attendent des réponses. So I'm going to tell you straight off. Donc je vais vous dire directement that I have a different understanding que j'ai une compréhension différente of the 1888 message du message de 1888 than you've probably heard before que vous avez entendu précédemment. And I want to briefly explain that. Et je vais l'expliquer brièvement because if I don't, parce que si je ne le fais pas, it will be in the back of your minds. Cela va rester dans votre esprit. And if we have a question and answer this Sabbath, et si ce sabbat nous avons une session question-réponse, I'm certain someone will ask me about et je it. Suis sûr que quelqu'un va me poser la question sur so ce let sujet. Me just briefly discuss the issue of 1888. Alors que passons un peu de temps à parler de la question de 1888. What I want to say is this. Ce que je vais dire, c'est cela. We do not seem to understand clearly. Nous, il semblerait que nous ne comprenons pas clairement. The relationship between 1888, la relation qui existe entre 1888, the works of Wagner and Jones, l'œuvre de A.T. Jones et Wagoner, and the end of the world, à la fin du monde. So that's the first issue. Ça c'est la première, c'est le premier point. Let me draw it out for you. Et je vais le dessiner pour vous. 1798. We all know that date. Nous connaissons toute cette date. The interaction between Napoleon and the Pope. L'interaction qu'il y a eu entre Napoléon et le pape. The deadly wound is inflicted. Là, la blessure mortelle a été infligée. 1844. October 22nd. Le 22 octobre 1844. The Day of Atonement begins. Le jour des expiations a commencé. The judgment of the dead. Le jugement des morts. The investigative judgment. Le jugement investigatif. The Lord creates a people. Le Seigneur a suscité un peuple. From the remnants of this Millerite movement. Par rapport, basé sur le reste de ce mouvement millérite. And then we have 1888. Et ensuite, on arrive à 1888. And 1888. Et en 1888. Let me explain this way. Laissez-moi l'expliquer de cette façon. We're going to see. Nous allons voir. In our studies. Dans notre étude. That the first, second, and third angels' messages. Que les messages du premier, deuxième et troisième ange. Of Revelation 14. D'Apocalypse 14. Were fulfilled in this history. Ont été accomplis dans cette histoire en 1798 et 1844. Revelation 14. Donc là, il s'agit d'Apocalypse 14. 6 and 7. 6 et 7 pour le premier. 8. 8. And 9 to 11. Pour le deuxième et 9 à 11 pour le troisième. Were fulfilled in this history. Et ces trois messages ont été accomplis dans cette période de temps. I'll give you the date for this one. Et je vais vous donner la date pour le deuxième ange. It's 1844. C'est le April the 19th. 19 avril 1844. Most people are unfamiliar with this event. Et la majorité des gens ne sont pas familiers avec cet événement-là du 19 avril 1844. There's much more we could say about this history. Mais il y a beaucoup plus que nous pourrons dire au sujet de cette histoire. Now when Ellen White, quand Ellen White begins to address the issue of 1888, commence à parler de la question de 1888, she does it in the following manner. Elle le fait de cette façon suivante.
The first angel's message. Le message du premier ange. Went from 1798 to 1844. Donc a parcouru le temps de 1798 à 19 avril 1844. You'll see it lasted 46 years. Et vous voyez que ça a duré 36 ans. Then the second angel's message. Et ensuite donc le message du deuxième ange. Only lasted a few months. A duré quelques mois. This is 46 years and this is half a year. OK, donc c'est 46 ans et une demi-année. And then the third angel's message arrives. Et en plus, après, le troisième message est arrivé. Does everybody understand what the third angel's message is? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'est le troisième message? We don't have time to read Revelation 14, verse 9 to 11. Et nous n'avons pas le temps de lire Apocalypse 14, 9 à 11. But it's a warning. Mais c'est un avertissement. About not receiving. Sur le fait de ne pas recevoir. The mark of the beast. La marque de la bête. Does everybody know that? Est-ce que tout le monde sait cela? Not many people. Non, il y a pas beaucoup de personnes. Let's quickly read it. Alors, it's important. Lisons-le rapidement, c'est important. So we're in Revelation 14. Donc nous nous trouvons dans Apocalypse 14. Verses 9. Les versets. To 11. 9 à 11. This is the third angel's message. It says the third angel. Et il est dit que c'est le troisième ange, car c'est le message du troisième ange. Let's begin reading. On va lire. Et le troisième ange les suivait, disant d'une voix forte, si un homme quelconque adore la bête et sa statue, et reçoit sa marque en son front ou en sa main, celui-là même boira le vin de la colère de Dieu qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. It's just 9. Ah, OK. Wait, 10. Okay. Did you finish 10? Non. Okay, just finish 10. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Read verse 11. Alors, le verset 11 maintenant, et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours, et ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et sa statue, et quiconque reçoit la marque de son nom. So verses 9 to 11. Donc, les versets 9 à 11 talk about the receiving of the image of the beast and the mark of the beast. Nous parlent de recevoir l'image de la bête et la marque de la and bête. It explains to you et cela nous explique the condemnation that comes la condamnation qui va arriver upon those who receive sur ceux qui vont recevoir the image of the beast and the mark of the beast. L'image de la bête et la marque de la bête. Now we know nous savons that the mark of the beast que la marque de la bête is not some computer chip ce n'est pas une puce qu'on met or some identification code that the government will give you. Ou un code d'identification que le gouvernement va nous donner. It's an issue of religion. C'est une question religieuse. And you have to know who the beast is. Et vous faut savoir qui est donc la bête. The beast of Revelation 12. La bête d'Apocalypse 12. Revelation 13. 13. And Revelation 17. Et d'Apocalypse 17. And a careful study of those chapters. Et une étude attentive de ces chapitres. Particularly Revelation 13. Et particulièrement Apocalypse 13. Will show you that the beast vont nous montrer que la bête is the alliance between the papal church et l'alliance entre l'église papale and the governments that support her. Et les gouvernements qui la soutiennent. And so the receiving of the mark of the beast, donc le fait de recevoir la marque de la bête as all Adventists understand, comme tous les Adventistes le comprennent is the acceptance c'est l'acceptation of the mark of her authority, de la marque de son autorité which is to change laws and times, qui consiste à changer les lois et les temps. Daniel chapter 7. Daniel 7. And the laws and times that she changes. Et les lois et temps qu'il change, qu'elle change. We can encapsulate into one thought at the end of the world. Et nous pouvons la mettre dans une seule capsule de pensée à la fin des temps. Spiritualism or the state of the dead. Donc l'état des morts, le spiritisme. Plus. Sabbath. Le sabbat. The change from the Sabbath to Sunday. Le changement du sabbat vers au dimanche. The papacy clearly teaches this. Et la papauté enseigne clairement cela. And we understand. Et nous le comprenons. So, do we understand the third angel's message now? Est-ce que nous comprenons le message du troisième ange maintenant? Say amen if you. Si c'est le cas, dites amen. Okay. So, we know the third angel's message. Nous savons que le message du troisième ange in this history dans cette histoire wasn't fulfilled. N'a pas été accompli. There was no Sunday law. Parce qu'il n'y a pas eu de loi du dimanche in 1844. En 1844. So it was an imperfect fulfillment. Donc cela représente un accomplissement imparfait. Or a partial fulfillment. Ou bien un accomplissement partiel. But what did happen? Mais par contre ce qui s'est passé. Very soon after 1844. Très peu de temps après 1844. We began to keep
the seventh day Sabbath. Nous avons commencé donc à observer le sabbat du septième jour. So this is how the third angel's message was fulfilled in this history. Et c'est de cette façon que le message du troisième ange a été accompli dans cette histoire. We stopped worshiping the beast by Sunday worship. Nous avons arrêté d'adorer la bête par le biais du dimanche. Because that's what these Adventists were doing. Parce que c'est ce que ces adventistes faisaient avant du sabbat. We learned the truth of the Sabbath. Nous avons appris donc la vérité concernant le sabbat. And we can't start keeping the Sabbath. Et nous avons commencé à l'observer. So the third angel's message, donc le message du troisième ange, begins to go through history. A commencé à parcourir l'histoire. And Ellen White, et Ellen White speaks about, parle the empowerment of this message. De l'amplification donc de ce message. She's going to explain it this way. Et elle va l'expliquer de cette façon. If we think, si nous pensons, that the first, second, and third angels' messages. Que le message du premier, deuxième et troisième ange. If I draw it like this. Si je le dessine de cette façon. Symbolized by angels coming down from heaven. Et symbolisé par des anges qui descendent du ciel. These are just symbols. Ce sont juste des symboles. She says. Elle déclare. That this third angel. Que ce troisième ange. Is going to be empowered. Va être donc amplifié. At the end of the world. À la fin du monde. When another angel comes down. Quand un autre ange va descendre. Say amen if that makes sense. Si cela a du sens, dites amen. Okay, so I'm going to visualize it. Donc je vais le visualiser. As this angel coming down here. Comme cet ange qui descend là. And this line. Et cette ligne. Is dropping down here. Donc on l'a fait descendre jusque là. So I'm going to put the same here. Donc je vais mettre le même symbole là. So we've got the third angel running through history. Nous avons donc le troisième ange qui parcourt l'histoire. Here it is, the third angel. Voilà donc le troisième ange. And another angel is going to come down. Et un autre ange va descendre. And when these two angels meet. Et quand ces deux anges se rencontrent. Here. Là, à ce moment-là. There's going to be a clash. Il y aura donc un clash. Or glory. Ou bien une gloire. Now this angel. Cet ange. We have to find in scripture. Il nous faut le trouver dans les écritures. And when you read the book of Revelation. Et lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse. All of this was from Revelation 14. Tout cela était tiré d'Apocalypse 14. When the third angel's message is empowered. Mais par contre quand le message du troisième ange est amplifié. It receives this power. Quand il reçoit sa puissance. When another angel from heaven comes down. Lorsqu'un autre ange du ciel descend. And if you read carefully, et si vous lisez avec soin, Ellen White's writings, les écrits d'Ellen White, and the scriptures, et les écritures, you'll see, vous allez voir, that this is the angel of Revelation 18. Vous allez voir qu'il s'agit de l'ange d'Apocalypse 18. When the angel of Revelation 18 comes down, lorsque l'ange d'Apocalypse 18 descend, and joins the work of the third angel, et rejoint l'œuvre du troisième ange, this angel, cet ange, let me put A for arrival. Je mets la lettre A pour arriver. So here it is traveling through history. Donc là, on met le troisième ange qui parcourt l'histoire. At this event, mais à cet événement-là, it will receive power. Il va recevoir de la puissance, le it troisième will be ange. Empowered. Ça veut dire qu'il va être amplifié. And this empowerment et cette amplification is connected est en lien to the Sunday law issue. Avec la question de la loi du dimanche. So I'm going to put here, donc je vais mettre ici, 1888, and then I'm going to put the Sunday law. Et ensuite, je vais mettre la loi du dimanche. Because the Sunday law, parce que la loi du dimanche, is connected, est en lien, to the coming down of this angel, avec la descente de l'ange d'Apocalypse 18. And I'll give you the verse. Et je vais vous donner donc le verset. Verses 1 to 3. Il s'agit des versets 1 à 3. Now God's people, le peuple de Dieu, don't understand, ne comprend pas, Millerite history, l'histoire des Millerites, which was here, qui est avant 1798, and they don't understand the 1888 history. Et ils ne comprennent pas non plus l'histoire de 1888. We have some misconceptions. Nous avons une mauvaise idée. One thing I want us to know and understand. Une chose que j'aimerais que vous sachiez, que vous compreniez. We've all read Revelation 14. Nous avons tous lu Apocalypse 14. The second angel's message. Le message du deuxième ange. Babylon is fallen, is fallen. Babylone est tombée, est tombée. Revelation 14. Apocalypse 14. Verse 8. Verset 8. Now have we read this statement before? N'avons-nous pas lu cette citation avant? Or elsewhere? Ou ailleurs? We certainly have. Nous l'avons certainement lu. Because in Revelation 18. Parce que dans Apocalypse 18. Verse 2. Le verset 2. Have a look what it says. Regardez à ce qu'il dit. It says exactly the same words. Il dit exactement les mêmes paroles. Babylon is fallen, is fallen. Babylone est tombée, est tombée.
But if you look at verse 3, mais lorsque vous regardez au verset 3, what you'll see, ce que vous allez voir, the description is the final and complete fall of Babylon. La description est la chute totale et complète de Babylone. So what I want to say donc is ce this. Que j'aimerais dire, c'est cela. In this history here, dans cette histoire-là, the fall of Babylon, la chute de Babylone, was only partial. N'a été que partielle. When the angel of Revelation 18, quand l'ange d'Apocalypse 18, comes down to earth, descend sur terre, this message, ce message, and gives power, et donne de la puissance, to the third angel, au troisième ange, you're going to have the final fulfillment. Vous aurez donc l'accomplissement, le dernier accomplissement, the perfect fulfillment, l'accomplissement parfait. Of this message that came in Revelation 14. De ce message qui était venu d'Apocalypse 14. Now this takes some time getting used to. Et cela prend du temps et être habitué. Because we're not familiar. Parce que nous ne sommes pas accoutumés. With reading these verses. En lisant ces versets. And placing them in a historical line like this. Et de les placer sur une ligne historique telle que celle-ci. Now there's two things I want us to see. Mais il y a deux choses que j'aimerais que vous voyiez. Firstly, premièrement, in 1888, en 1888, there isn't a Sunday law. Il n'y a pas eu de loi du dimanche. The Sunday law is going to come after. Parce que la loi du dimanche va arriver après. Ellen White's warning the people. Et Ellen White a averti le peuple. A.T. Jones is sent. Et A.T. Jones a été envoyé. To the Senate committee meetings. Au comité. Which were government meetings. C'était le comité organisé par le gouvernement. To try and defend the position. Pour essayer de défendre sa position. Of God's people. La position du peuple de Dieu, to resist the coming of Sunday law. Afin de résister à cette venue de la loi du dimanche. But what I want us to see, mais ce que j'aimerais que vous voyez, the angel, c'est que l'ange, comes down, l'ange est descendu, before the law comes. Avant que la loi n'arrive. Now that law, et cette loi, never ended up materializing. N'a pas été matérialisée finalement. It just melted away. Elle a été annulée. The person's name was Senator Blair. La personne qui l'a mis, c'est Blair. And his efforts to make a Sunday law never came to light. Et ses efforts n'ont pas été concluants. The first thing I want us to see. Et la première chose que j'aimerais que vous voyiez. When the angel comes down. C'est lorsque l'ange descend. It's before Sunday law. C'est avant la loi du dimanche. Say amen if you can see si that. Si vous voyez cela, dites amen. That's one point you have to remember. Et c'est un point qu'il vous faut vous souvenir. The second point I want us to think about. Et le deuxième point que j'aimerais que vous réfléchissiez, sur lequel il faut réfléchir, is to try and see. C'est d'essayer de voir. That when this message comes. Quand ce message arrive. And it all fails. Et que, en fin de compte, il a échoué. What many people in Adventism believe. Ce que la majorité des Adventistes croient. Those who understand the 1888 message. Ceux qui comprennent le message de 1888. They believe this. Ils croient en cela. Let me just rub out the Sunday law. Donc j'efface la loi du dimanche là. I'll put it like this. Et je vais le mettre comme cela. In dotted. Je le mets en pointillé. It didn't happen. La loi du dimanche n'a pas eu lieu. So we run through history. Donc on a continué l'histoire. And at the end of the world. Et à la fin du monde. Now there's going to be a real Sunday law. Il y aura réellement une loi du dimanche. And what many people who understand the 1888 message think. Et ce que la majorité des personnes qui comprennent le message de 1888 pensent. When Revelation 18 was fulfilled in this history. Quand Apocalypse 18 a été accompli dans cette histoire. This message is carried on through. Ce message a continué. And that is not correct. Et ça, ce n'est pas correct. That's where the mistake is. Parce que c'est là où se trouve l'erreur. What I want us to begin to be familiar with. Ce avec quoi j'aimerais que vous deveniez familier. Is that in each history. C'est que dans chaque histoire. There is a time of the end. Il y a un temps de la fin. And we're going to discuss this time of the end. Et nous allons discuter de ce temps de la fin. In a number of different stories. Dans plusieurs histoires différentes. Now, when people look at this history, quand les personnes regardent à cette histoire, the empowerment of the third angel's message, l'amplification du troisième ange, what they don't recognize, ce qu'elles ne reconnaissent pas, is that before the empowerment, c'est qu'avant l'amplification, there are going to be two warnings. Il va y avoir deux avertissements. That Ellen White is going to give the church. Que Ellen White va donner à l'église. That this event is just about to happen. Que cet événement est sur le point de se passer.
Say amen if you just understood what I've said. Si vous venez de si vous avez compris ce que j'ai dit, dites amen. Two warnings. Deux avertissements. Before 1888. Avant 1888. I'm not asking if you agree. I'm asking do you understand what I said. Je ne dis pas. Je ne vous demande pas de me dire si vous êtes d'accord. Juste de me dire si vous comprenez. Yes. Oui. Good. Okay. Before this third message. Avant ce troisième ange. Two warnings were given. Deux avertissements étaient donnés. Before the third is empowered. Avant que le troisième ne soit amplifié. Two warnings are given. Deux avertissements sont donnés. This history here of 1888. Cette histoire là de 1888. Is not just a continuation of this history. N'est pas une continuité de cette histoire des Minérites. There's a break. Il y a une interruption. And this. Et ceci. This break. Cette interruption is what people have not recognized. Est ce que les gens ne reconnaissent pas. And what I'm saying et ce que je suis en train de dire is in this history, c'est que dans toute cette histoire, where we had the empowerment, lorsque nous avons donc l'amplification, then a failed Sunday law, et une loi du dimanche qui a échoué, this history cette histoire-là is going to be repeated at the end of the world. Va se répéter à la fin du monde. Because this history here parce que cette histoire-là is nothing more n'est rien de plus than the repeat of this history. Que la répétition de celle des Minérites. Two warnings and the third comes. Deux avertissements et ensuite le troisième. Two warnings and the third come. Deux avertissements, puis le troisième arrive. And I'm saying here, et ce que je dis là, we need to put a break il nous faut faire une interruption aussi in this history, dans cette histoire before the Sunday law, avant que la loi du dimanche what's gonna happen? Avant la loi du dimanche, qu'est-ce qui va se passer? This angel cet ange is gonna come down again. Va descendre de nouveau in our history. Dans notre histoire. And when must it come down? Et quand doit-il descendre? Before or at the Sunday law? À la loi du dimanche ou avant la loi du dimanche? Has to come before. Il doit descendre avant. Because we have this history before us. Parce que devant nous, nous avons cette histoire de 1888. And when this angel comes down. Et quand cet ange descend. There's going to come with it this warning. Il va descendre avec cet avertissement. So this is what we need to see. Et c'est ce qu'il nous faut voir. I'm going to show it this way. Et je vais vous le montrer de cette façon. Here's this warning. Voici cet avertissement. And there's going to be two messages that come before. Et il va y avoir deux messages qui arrivent avant. And let's discuss this history. Et discutons de cette histoire de 1888. Because it's extremely important for us to see. Parce qu'il est très important pour nous de la voir. So I'll move over here. Donc je me déplace par là. In case you're writing notes for that. Au cas où vous prenez des notes de l'autre côté. Here's 1888. Voici donc 1888. We've got words. Nous avons des mots. That become symbols. Qui deviennent donc des symboles. Numbers. Des nombres. Are also symbols. Sont également des symboles. The number 7. Le nombre 7. Means an oath. Ça veut dire un serment. S-I-R-E. M-I-N-T. Or perfection. Ou bien la perfection, Zesem. Or completeness. Ou la plénitude. P-L-N-I-T-U-D-E. This is what the number 7 represents, and most people know this. Et voici ce que représente le nombre 7, et la plupart des personnes le savent. The number 12. Le nombre 12. Symbol of God's church. Symbole de l'église de Dieu. 12 tribes, 12 patriarchs. Les 12 patriarches, les 12 tribus. The number 4. Le nombre 4. I'm saying this. Je dis cela. It means end. Ça veut dire la fin. Or it can mean worldwide. Ça veut dire aussi mondial, M-O-N-D. I A L mondial. So it can mean the end of something. Ça peut dire la fin de quelque chose. Or something that's worldwide. Ou quelque chose de mondial. In 1888. En 1888. This angel's coming down. Cet ange est descendu. Let's go back to 1844. Retournons maintenant à 1844. Now let's go 40 years. Et allons 40 années. And we're going to get to the year. Et nous allons arriver à l'année.
1884. And Ellen White's going to write something to the church. Et Ellen White va écrire quelque chose à l'église. This is from the Review and Herald. Cela est tiré de Review and Herald. November 25th. 25 novembre. 1884. 1884. One more time. Review and Herald, le 25 novembre 1884. Some background. Je vais vous donner un contexte. In this history, dans cette histoire-là, William Miller is going to develop some rules va développer certaines règles of how to understand your Bible. Sur la façon de comprendre notre Bible. There are 14 rules, il y a 14 règles. And everyone, every Adventist et chaque Adventiste should have a copy of those rules aurait dû avoir une copie de ces règles and understand them. Et les comprendre. If you go into the website, si vous allez sur le site of this ministry, de ce ministère, those rules are available to download. Et ces règles sont disponibles à être téléchargées. In a nice PDF copy. Et dans un PDF. And it's all in French. Et tout est a été traduit. So you should get a copy of that. Donc il vous faut avoir donc une copie de cela. He develops these rules. Il a donc développé ces règles. These rules help him to understand and teach his message. Et ces règles ont été ont permis de comprendre et d'enseigner ce message. So, in 1884, en 1884, how many years is it to 1888? Combien d'années avant 1888? 4 years. 4. It's not a coincidence. Ce n'est pas une coïncidence. Because now, parce que maintenant, Ellen White saying we're coming to the end. Ellen White dit que nous arrivons à la fin. By the number 4. Par le nombre 4. This is what she says. Et c'est ce qu'elle dit. What history are we in? Dans quelle histoire sommes-nous? History of the third angel. Nous sommes dans l'histoire du troisième ange. This is the message that we're supposed to be giving to people. Et c'est le message que nous sommes supposés donner aux gens. Those who are engaged. Ceux qui sont engagés. In proclaiming the third angel's message. Dans la proclamation du message du troisième ange. So there are people proclaiming the third angel's message. Donc il y a un peuple donc qui enseigne le message du troisième ange. Are searching the scriptures. Donc sondent les écritures. Upon the same plan that Father Miller adopted. Sur le même plan adopté par le père Miller. So all I'm saying is this. Tout ce que je suis en train de dire c'est cela. Ellen White writes a statement in the church magazine. Ellen White a écrit une citation dans le magazine de l'église. And she's warning God's people. Et elle est en train d'avertir le peuple de Dieu. There are people. Il y a des personnes today aujourd'hui who are studying qui étudient and preaching et prêchent the third angel's message. Le message du troisième ange. And they're using William Miller's rules. Et elles utilisent les règles de William Miller to do this work. Pour faire cette œuvre. Just quickly read that one sentence again. Alors, ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange sont les Écritures selon la même méthode que celle adoptée par le père Miller. Now, as you read this, alors que vous lisez cela, if you do not place it upon a line like this, si vous ne les placez pas sur une ligne telle que celle-ci, you might not realize that this is a warning. Et peut-être que vous n'allez pas réaliser que c'est un avertissement. This is what I said at the beginning. Et c'est ce que j'ai dit dès le commencement. My understanding of this message is different to most people. Parce que ma compréhension du message de 148 est différente de la majorité des gens. Because I want to try to explain to you. Parce que je veux essayer de vous expliquer. The prophetic significance of what is happening. La signification prophétique de ce qui s'est passé là. Who do you think she's talking about? De qui pensez-vous qu'elle parle? 4 years. 4 années. Before the Minneapolis conference. Avant la conférence de Minneapolis. When she says. Lorsqu'elle dit. Those who are engaged in proclaiming the third angel's message. Ceux qui sont engagés à la proclamation du message du troisième ange. Who do you think those people are? Qui pensez-vous sont ces personnes? I think. Je pense. She's speaking of qu'elle parle Wagner and Jones. De Wagoner et de Jones. And if she's speaking of Wagner and Jones, et si elle parle de Wagoner et de Jones, if you know anything about this history, si vous savez quoi que ce soit au sujet de cette histoire, at this general conference session, à la session de la conférence générale, there's a fight. Il y a donc une lutte. And who's the fight between? Et la lutte est entre qui et qui? The leader. The leaders. Les leaders. And Wagner and Jones. Et Wagoner et Jones. And this fight, et cette bataille, Ellen White is already warning them about. Ellen White les avertissait déjà de cette lutte. This is her first shot. Et c'est son premier
tir, on va dire. To the leaders. Vers les leaders. Warning them. Les avertissant. That Wagner and Jones are coming. Que Wagner et Jones sont sur le point d'arriver. And the leaders. Et les dirigeants. Are on the wrong track. Sont sur le mauvais côté. But these men. Mais ces hommes. Are on the right track. Sont sur le mauvais côté. Now I want us to see. Mais pardon. Wong. You say Wong. The leadership are on the wrong track. Yeah, les leaderships sont du mauvais côté. And Wagner and Jones. Et Wagner et Jones. Are studying the third message. Étudient le message du troisième ange. Using the correct methodology. En utilisant la bonne méthode. In 1888. En 1888. You've got the leadership. Vous avez tous les dirigeants. And who are they going to fight against? Et contre qui vont-ils se battre? Let's count. Comptons. Ellen White. Ellen White. Jones. A.T. Jones. Wagner. Et Wagner. Three. Trois. This is the empowerment. C'est l'amplification. Of the third angel's message. Du troisième ange. Ellen White. Ellen White. And the two men. Et les deux hommes. Become the symbol. Deviennent donc un symbole. Of the third message. Du troisième message. When they war against the two men. Lorsqu'ils se battent contre ces deux hommes. Who are they also warring against? Contre qui aussi se battent-ils? Ellen White. Ellen White. They're warring against Ellen White. Ils se battent contre Ellen White. Now you might think. Et vous pouvez penser. That was a coincidence. Que c'est une coïncidence. But what you don't know. Mais ce que vous ne savez pas. Most people don't know. Du moins la majorité des personnes ne savent pas. Il y en a qui le savent. Is there a history before? C'est qu'il y a une histoire avant cette date. Because before this event. Parce que avant 1884. The church. L'Église. Particular leaders. Et particulièrement les leaders Ellen White. En colère contre Ellen White. She's got a very bad habit. Parce qu'elle a une mauvaise habitude. Of pointing out people's sins. De désigner les péchés des gens. And then publicizing them in the papers. De les pointer du doigt et de les publier dans ses écrits. She might say brother X. Et elle doit dire, elle pourrait dire le frère X. Who's the conference president in California? Qui est le président de la fédération de la Californie. It's not much of a disguise. Donc c'est pas très déguisé. They began to get upset with her. Et à ce moment-là, ils ont commencé à être en colère contre elle. And they began to teach. Et ils ont commencé donc à enseigner. The congregations. Donc à l'assemblée. That not everything that Ellen White writes is inspired. Que ce n'est pas tout ce qu'Ellen White écrit qui est inspiré. Some of it is and some of it isn't. Certains de ses écrits sont inspirés et d'autres ne le sont pas. So they began to introduce doubt. Donc ils ont commencé à introduire le doute. And a normal person would say, et une personne normale dirait, she's a prophet. Mais elle est un prophète. How can any of her words be uninspired? Et pourquoi ses paroles ne seraient-elles pas inspirées? When you go down the wrong path, et quand vous allez donc dans la mauvaise direction, you go from bad to worse. Vous allez de mal en pis. They defend their position by saying the following. Et ils ont pris la défense de leur position en disant cela. Because you people are not educated. Parce que les personnes ne sont pas formées. You don't know. Vous ne savez pas. That in the Bible. Que dans la Bible. There are some portions. Il y a certaines parties. That are more inspired. Qui sont plus inspirées. Than other portions. Que d'autres parties. And that's their defense. Et ça a été leur défense. So there's already a war going on. Donc il y a déjà eu une guerre en cours. Between the church. Entre l'Église. And the spirit of prophecy. Et l'esprit de prophétie. The number 40. Le nombre 40. Has many symbols. A beaucoup de symboles. But one of them. Mais l'un d'entre eux. Is this idea. Et cette idée. That you're going to come to this test. Que vous allez entrer dans ce test. Jesus goes into the wilderness for 40 years. Parce que Jésus days. A été dans le désert durant 40 jours. Then he's going to be tested. Et ensuite il va être testé. Let me tell you something. Et laissez-moi vous dire quelque chose. 1844. Was the first year. A été donc la première année. Let me rephrase that. Was the year où a été donc l'année that Ellen White had her first vision. Ellen White a reçu sa première vision. December 44. C'est en décembre 1844. And we discussed it yesterday. Et nous en avons discuté hier. Was it in private in her room? Était-ce une vision privée dans or sa in chambre? Public with other people? Ou bien en public avec d'autres personnes? It was in public. C'était une vision publique. And all of her visions were in public. Et à cette date-là, toutes ses visions étaient publiques. 1884. Mais en 1884. Was the last year. Ça a été la dernière année. Ellen White had a vision. Où Ellen White a reçu une vision. In public. En public. After that day. Après cette
cette date, she never had any visions in public. Elle n'a jamais plus eu de vision publique. Because God's people, parce que le peuple de Dieu, rejected the spirit of prophecy, a rejeté l'esprit de prophétie. À ce moment-là. So when she comes, donc quand elle arrive, with the empowerment of the third angel, avec l'amplification du troisième ange, pensez-vous que le dirigeant are going to accept the message? Vont accepter le message? Because they've already rejected her ministry. Parce qu'ils ont déjà rejeté son ministère. This is the context of the 1888 message. Et voici le contexte du message de 1884. She's the first warning. Elle donne le premier avertissement. Aux dirigeants, because they've rejected the spirit of prophecy, parce qu'ils ont rejeté l'esprit de prophétie, and she's never going to have a vision in public again, et elle n'aura plus jamais de vision publique, until her ministry ends, jusqu'à ce que son ministère se termine. One's not enough, mais une chose n'est pas suffisante. Now, maintenant, she's going to give a second message. Elle va donner donc un deuxième message. In 1886. En 1886. Now, if you read these statements, donc si vous lisez ces citations, just as a devotional message, juste comme un message de méditation quotidienne, they don't make sense. Cela n'aura aucun sens. You are required, il vous est demandé, in my opinion, selon mon opinion, to look at the context of when things were written, de regarder le contexte dans lequel les choses ont été écrites, because then they begin to make sense. Parce que c'est à ce moment-là que les choses commencent à avoir du sens. So let's read what she says. Donc lisons ce qu'elle dit. In 1886. En 1886. And because I've given you this backdrop, et parce que je vous ai donné ce contexte historique, you're going to see how much sense it makes. Et vous allez voir combien de sens cela a. But remember, mais souvenez-vous, I'm saying that this history, je suis en train de vous dire que cette histoire, is the prelude, c'est le prélude, to our history, de notre histoire. Remember that. Rappelez-vous de cela. What precedes? Qu'est-ce qui a précédé? This angel coming down. La descente de cet ange. A rejection. C'est un rejet. Of the spirit of prophecy. De l'esprit de prophétie. And then. Et ensuite. When the angel comes down. Quand l'ange descend. There's going to be a fight. Il va y avoir donc une lutte. Between the people. Entre les peuples. Who the Lord has raised up. Que le Seigneur, entre les personnes que le Seigneur a suscité. To give that message. Pour donner ce message. And whom? Et qui d'autre? The leaders of the church. Et les dirigeants de l'église. We spoke about the story of Christ. Nous avons déjà parlé de l'histoire de Christ. When is the Lord raised up a man? À quel moment le Seigneur suscite un homme? To give a message. Pour donner un message. Of repentance. De repentance. John the Baptist. Ça a été Jean-Baptiste, cet homme. But they know about John the Baptist. Mais savait, connaissait Jean-Baptiste. 30 years ago when he was born. 30 ans avant, lors de sa naissance. Because then. C'est ensuite, his father, c'est là que son père did what? A fait quoi? Gave the prophetic warning, a donné donc l'avertissement prophétique, that his son had arrived, que son fils était arrivé, and he was about to sort the church out, et il était sur le point donc de sort out, fix the church, de mettre l'église en place, and then when he's 30 years old, et quand il est âgé de 30 ans, what happens? Qu'est-ce qui se passe? At the baptism of Jesus, au baptême de Jésus. What comes from heaven? Qu'est-ce qui est descendu du ciel? The Holy Spirit. La colombe, le Saint-Esprit. In the symbol of a dove. Dans le symbole de la colombe. I'm saying that symbol. Je vous dis que ce symbole. That comes down. Qui descend. Is this very event here. Et cet événement-là. The event. L'événement. When the message of John. Quand le message de Jean. Comes to God's people. Arrive au peuple de Dieu. After they've been warned. Après qu'ils aient été avertis. How many times were they warned? Combien de temps ont-ils été avertis? They were warned at John's birth. Ils ont été avertis à la naissance de Jean. And they were warned 12 years later. Et ensuite ils ont été avertis 12 années après. Who gave them the warning 12 years later? Mais à 12 ans après, qui leur a donné l'avertissement? Who knows their history? Qui connaît l'histoire? This is Jesus. C'est Jésus. Jesus is 12 years old. Jésus a 12 ans. And he's going to go to Jerusalem. Et il va à Jérusalem. For the first time. Pour la première fois. And he's going to go to the school of the prophets. Et il va à l'école des prophètes. And he's going to teach the people. Et il va enseigner au peuple. The leaders. Aux dirigeants. About what? Au sujet de quoi? The lamb. L'agneau.
They say, who is this lamb in Isaiah? Il dit, qui est cet agneau dans Isaïe? And the leaders say, we don't know. Mais et les dirigeants lui répondent, ils ne se savent pas. They were supposed to know. Ah, pourtant, ils étaient supposés Because savoir. 18 years later, parce que 18 années plus tard, they're expecting a soldier. Ils attendaient un soldat, ils attendaient un soldat en tant que Messie. And who's come? Et qui vient? A lamb, un agneau, who they're going to kill, qui vont tuer, and he warned them 18 years before. Et il les a, Jésus les a avertis 18 ans avant. John comes, Jean est venu, and the first thing he does, et la première chose qu'il fait, because the leaders are going to come and say what? Parce que les leaders vont venir et vont dire quoi? Who gave you authority to preach? Qui t'a donné l'autorité de prêcher? And what does he say to them? Et que leur répond-il? Well, let me show you my certificate. Donc je vous montre mon diplôme. Don't you remember what my dad said? Ne vous rappelez pas ce que mon père a dit? He didn't say anything like that. Non, il a rien dit de cela. He says, il leur a dit, you sons of Satan. Vous êtes des fils de Satan. Who told you to even come here? Qui vous a dit de venir là? The only people that are allowed here, les seules personnes qui sont autorisées là, are those who want to be baptized. C'est ceux qui veulent être baptisés. So if you want to be baptized, donc si vous voulez être baptisé, line up. Mettez-vous en ligne. Because he says, who has warned you? Parce qu'il leur dit, qui vous a averti? To flee, de fuir, from the wrath to come, de la colère à venir. Because I've got the axe, parce que j'ai la hache, and I've started chopping the tree et down. Et je commence déjà à couper and le l'arbre. And who warned you that I was here? Mais qui vous a averti que j'étais là? Because he's telling them, parce qu'il est en train de leur dire, you don't even believe who I am. Vous ne croyez même pas en qui je suis. So don't come to me, donc ne venez pas vers moi, asking about my authority, en me posant la question sur mon autorité. Because I don't need your authority parce que to je speak. N'ai pas besoin de votre autorité pour pouvoir he parler. Got his authority from his father. Parce qu'il a reçu son autorité de la part du Père. Whether you want to think it's God the Father, que vous voulez penser que ce soit Dieu le Père, or his blood father, ou son Père de sang, who gave him his certificate, qui lui a donné donc son diplôme, in the prophecy of his work, dans la prophétie de son œuvre. Same argument here. Et ici c'est le même argument. The leaders are going to come, les leaders vont venir, and they're going to say, who told you to give this message? Et ils vont lui dire, mais qui t'a dit de délivrer ce message? By what authority do you have it? Par quelle autorité le fais-tu? And there's Ellen White. Et là il y a Ellen White. Who they've already rejected. Qu'ils ont déjà rejeté. These are the same events. Ce sont les mêmes événements. So here we're going to read. Donc là nous allons lire. 1886. C'est écrit en 1886. Review and Herald, 29 juin 1886, paragraphe 9. Review and Herald, 29 juin 1886, paragraphe 9. The scriptures, les écritures, are constantly opening to the people of God. Sont constamment ouvertes au peuple de Dieu. There always has been. Il y a toujours eu. Back here. On revient là, en arrière. And always will be. Et il y aura toujours. Coming up. Ça arrive là. Past and present. Passé et présent. A special truth. Une vérité particulière. Applicable. Applicable. To each generation. À chaque génération. There was a special truth for this generation. Il y a eu une vérité spéciale pour cette génération, Millerite. There's a special truth for this generation. Il y a eu une vérité spéciale pour la génération de 1988. Can you see she's talking about two generations? Pouvez-vous voir qu'elle parle de deux générations? Can you see why I put the break? Pouvez-vous voir pourquoi on a mis l'interruption? They have a special truth and they have a special parce truth. Parce que les deux ont eu une vérité spéciale. There's only one truth. En fait, compte, il n'y a qu'une seule vérité. The gospel. C'est l'évangile. But the words are different. Mais les mots sont différents. For each generation. Pour chaque génération. So you have to break up the generations. Donc il vous faut faire une scission entre les générations. Everyone is dead in this generation. Et chaque personne est morte là dans cette génération. Do you think this generation carries on to us? Et pensez-vous que cette génération est arrivée jusqu'à nous? Of course it cannot. Et elle ne peut pas. We are a new generation. Nous sommes une nouvelle génération. So we have a special truth for us. Donc pour nous, nous avons une nouvelle vérité. Can you see why you have to put a break? Voyez-vous pourquoi il vous faut faire une cassure? If you came to these presentations, si vous êtes venu dans cette présentation, if you're watching them on video, si vous nous regardez sur vidéo, and you had the idea, et que vous avez l'idée, that when Revelation 18, que lorsque Apocalypse 18 was fulfilled in 1888, a été accompli en 1888, that work just continued all the way through, que cette œuvre a continué tout au long, in connection with the words, the passage that we've just read, en relation avec les passages que nous venons de lire, and the explanation that I'm giving, et les explications que je vous donne,
I'm asking you to reconsider your position. Je vous demande de reconsidérer votre position. Because I think you'll find. Parce que je pense que vous allez trouver. It's not sustainable in the Word of God. Que cela ne peut pas être soutenu dans la parole de Dieu. These are three separate generations. Parce que cela représente trois générations séparées. A separate special truth for each generation. Il y a une vérité particulière et séparée pour chaque génération. The message given to Noah. Le message donné à Noé. And we're going to speak about Noah. Et nous allons en parler de Noé. Was present truth. A été vérité présente. For that time. Pour cette époque. What was the present truth for that time? Et quelle était donc la vérité présente pour cette époque? The story of Noah. Dans l'histoire de Noé. You have to build an ark. Il fallait construire donc l'arche. Because there's going to be a flood. Parce qu'il va y avoir un déluge. That's the special truth. Et ça, c'était la vérité spéciale. Is that the truth in this history? Est-ce que c'était la vérité de l'histoire des Millérites? This non. One, no. Ou dans celle de 1888? No. Non. Et dans la note, non. The problem is. Le problème est. Jesus says. Que Jésus a dit. You have to bring Noah into our history. Il faut amener Noé dans notre histoire. So how do you do that? Alors comment faisons-nous cela? What was the special truth of Noah? Quelle était la vérité présente pour Noé? It wasn't. Ce n'était pas that everybody's committing adultery. Que tout le monde commettait l'adultère. So you can't use that as the anchor point. Vous ne pouvez pas utiliser cela comme un point d'ancre. There's much more in the story of Noah. Il y a beaucoup plus à voir dans l'histoire de Noé. The message given to Noah was present truth for that time. Le message donné à Noé était vérité présente pour cette époque. If the people had accepted that message, et si le peuple avait accepté ce message, they would have been saved from drinking the waters of the flood. Ils auraient été sauvés du fait de boire les eaux du déluge. Remember that phrase. Et rappelez-vous de cette phrase. Those people, ces personnes, drank. Ils ont bu. The waters. Elles ont bu les eaux of the flood. Du déluge. Can you remember that? Vous pourrez vous rappeler de cela? Put in your memory banks. Et mettez-le dans Because I'm going to ask mémoire, you, parce que je vais vous poser la question. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? You think the people are saying, "Oh, look, there's lots of water. Let's have a drink." Vous pensez que les gens disent, oh, il y a beaucoup d'eau là, ben allons boire un peu. What does Ellen White mean? Mais qu'est-ce que Ellen White veut dire? Is she mocking them? Est-ce qu'elle se moque d'eux? She's saying, while God's drowning them, they're all drinking water, happy. Et que le Seigneur leur a donné de l'eau, ils boivent et sont contents. There's much more. Il y a beaucoup that plus. We need to see in this. Et nous faut le voir. Now that she's gone to past history, now she's going to come to present. Et maintenant elle va dans elle a été dans l'histoire du passé, maintenant elle va dans le présent. Who's she talking to? À qui parle-t-elle? The leaders. Elle parle aux dirigeants. This is the second warning. C'est le deuxième avertissement. She says, now suppose a certain people. Maintenant supposez qu'un certain peuple. Who are the certain people? Et c'est qui ce certain peuple? The Adventist. Mais les Adventistes. She's not going to say, now suppose you. Elle va pas dire, supposez que vous. She says, now suppose a certain people. Elle dit, supposez qu'un certain peuple. If you want to make it you, do that. Si vous voulez vous l'approprier, faites-le. So I'm saying, now suppose I said to you. Et maintenant, je dis, supposez que je vous dis à vous. But I'll say a certain people. Mais je dis un certain peuple. Should say. Dirait. We have all the truth that our fathers had. Nous avons toute la vérité que nos pères ont eue. We don't want any more. Nous n'en voulons pas plus. That's what they're saying. C'est ce qu'ils sont en train de Who dire. Who are their fathers? C'est qui leurs pères? These people here, the Millerites. Les personnes qui sont avant, les Millerites. And they said. Et ils disent. We've got all the truth we need. Nous avons toute la vérité dont nous avons besoin. We don't want any more. Et nous n'en voulons pas d'autres. What's going to come in 2 years? Et qu'est-ce qui va se passer 2 ans après? More truth. Il va y avoir encore More plus light. De vérité, plus de lumière. And they're already saying we don't want it. Mais ils l'ont déjà dit que nous n'en voulons pas. She's warning them what they're even thinking. Et elle est en train de les avertir sur leurs pensées même. And the God of heaven Et que le Dieu du ciel should send them a message. Leur envoie un message. What message is he about to send them? Mais quel message était-il sur le point de leur envoyer? The message of Revelation 18. Le message d'Apocalypse 18. Which they're about to reject. Qu'ils étaient sur le point de rejeter. They're not using the correct rules. Parce qu'ils n'utilisent pas les bonnes règles. They say we don't want any new messages. Et ils disent que nous ne voulons pas de nouveaux messages. We're happy. Nous sommes heureux. We're increased with goods and we're rich. Nous sommes accrus de biens, nous sommes riches. They're already laid Here. Mais ils sont déjà là, Odyssée, là. And the Lord's warning them to get out of the condition. Et le Seigneur les avertit déjà de sortir de cette condition. God's going to send them a message. Donc Dieu va leur envoyer un message. As he did to Nineveh. Comme il l'a fait pour Ninive. What story is this now? Et quelle histoire est-ce maintenant là? Nineveh. C'est l'histoire de Ninive. Story of? C'est l'histoire de?
Jonah. C'est l'histoire de Jonas. So now we have Jonah. Maintenant, nous avons Jonah. Let me ask you a question. 1844. Laissez-moi vous poser une question. Judgment begins. En 1844, le jugement a commencé. What judgment is that? Mais de quel jugement est-ce? It's the investigative judgment. Il s'agit du jugement investigatif. Does everybody know how a court case works? Et est-ce que vous savez comment un tribunal ça fonctionne? You have a criminal. Vous avez donc un They're going to be defended. Qui va être défendu. And the judge et le juge is going to sit. Va s'asseoir. And they're going to listen to what? Et va écouter. Qu'est-ce qu'il va écouter? The evidence. Des preuves. They're going to investigate. On va investiguer. When the defendant. Quand le défense l'avocat. And the accuser. Et la victime. Have done all their work. Ou l'accusé a fait tout leur œuvre. What's the judge going to do? Alors le juge il va faire quoi après? No more investigation. Il y aura plus d'investigation là. Now he's going to decide. Maintenant il va décider. He says guilty. Il dit coupable. Then what's he going to do? Et après qu'est-ce qu'il va faire? In the olden days they used to put a black cap on. Et dans les anciens jours, ils mettaient un chapeau noir. Some countries they still do the same. Et dans certains pays, on fait encore la même chose. What was he doing before? Mais avant, qu'est-ce qu'il faisait? He was judging. Il jugeait. What's he going to do now? Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Judging. Il va juger. But that was the investigative judgment. Mais là, c'était avant le jugement investigatif. Now what's he going to do? Maintenant, il va faire quoi? He's going to pronounce. Il va prononcer. Sentence. La sentence. This is the executive judgment. Et ça le jugement exécutif. Does everybody understand that? Est-ce que vous comprenez cela? Okay, let me draw this. Je vais le dessiner. And see if you still agree. Et pour voir si vous êtes toujours d'accord. How long is this line going to be? Et combien de temps cette ligne va-t-elle durer? Story of Jonah. C'est l'histoire de Jonas. No one knows the story well enough. Bon, vous connaissez l'histoire suffisamment bien? 40 days. Ça va durer 40 jours. 40 days. 40 jours. What's going to happen in 40 days? Et qu'est-ce qui va se passer au bout de 40 jours? You're going to die. Il nous a dit qu'ils vont mourir. Here. Et là, au début. Jonah's going to give his message. Jonah va délivrer son message. Is he investigating them? Est-ce qu'il est, il procède à une investigation? When no. Was the investigation? Où se passe l'investigation? Way back here. Avant. Before he even gets on the boat. Avant même qu'il ne soit sur le bateau. God's already investigated Nineveh. Parce que Dieu avait déjà passé en revue Nineveh. And now. Et maintenant. God has got his black cap. Dieu a donc son chapeau noir. And he says. Et il dit. Sentence. La sentence. Death. La sentence, c'est la mort. It's going to happen in 40 days. Et cela va se passer sous 40 jours. That's what Jonah's got to do. Et c'est ce que Jonas doit faire. What I want you to see. Mais ce que j'aimerais que vous voyez. When this warning comes. Quand cet avertissement arrive. There is no investigation happening. Il n'y a plus d'investigation qui ait lieu. If you can see that, say amen. Si vous voyez cela, dites amen. And we're going to read it in a minute. Et nous allons le lire dans une minute. Now. Maintenant. I want to put our history into je this. Je vais mettre notre histoire dans cela. This. Is Sunday law. La mort pour nous c'est la loi du dimanche. And this. Et la première étape pour nous. Is the first message. C'est le premier message. The warning message. Le message d'avertissement. Then there's going to be a second. Ensuite il y en aura un deuxième. And this is the third. Et la loi du dimanche c'est le troisième. There's the everlasting gospel. Cela représente l'évangile éternel. When is the death sentence pronounced? Et quand est-ce que la sentence de mort a-t-elle été prononcée? Not at the third step. Ce n'est pas à la troisième étape qu'elle est prononcée. It's back here. C'est à la première. This is the church. Voici l'église. First the church. Premièrement l'église. Then the world. Et ensuite le monde est jugé. Judgment must happen first with the church. Le jugement commence premièrement par l'église. What I want us to see. Et ce que j'aimerais que vous voyez. Which many Adventists do not realize. Ce que beaucoup d'Adventistes ne réalisent pas. When the everlasting gospel begins to be pronounced. Quand l'évangile éternel commence à être annoncé. This is not the time for investigation. Ce n'est plus le temps là de l'investigation. God's already done that. Parce que Dieu l'a déjà fait. Now, maintenant, he's pronounced the death il sentence. Il prononce la sentence de mort. And there is no turning back. Et il n'y a pas de retour possible derrière. Whoever these people are, et quelles que soient ces personnes, they're gonna die. Elles vont mourir. It's not a matter of questioning if. Ce n'est plus une question de douter ou de se demander est-ce que si. It's just when. C'est quand.
And those 40 days. Et ces 40 jours. And those 40 years. Et ces 40 années. Are not a coincidence. Ne sont pas une coïncidence. 40 is a symbol. Parce que 40 est un symbole. That occurs over and over again. Qui se produit encore et encore. But. Mais. There are two groups. Il y a deux groupes. Let's read the story that she says. Et lisons l'histoire qu'elle est en train de dire. Then the message is he did to Nineveh. Elle leur envoie un message qu'il a donné à Ninive. What would be the result? Quel serait donc le résultat? She's comparing. Elle est en train de comparer. God's church. L'église de Dieu. To Nineveh. À Ninive. And she says, if you behave like Nineveh. Et elle dit que si vous vous comportez comme Ninive. There would be some hope. Il y aura donc un certain espoir. The same as would have resulted to the Ninevites. Le même qui aurait eu comme conséquence pour la même conséquence pour les Ninivites. If they had not repented, si ils ne s'étaient pas repentis. Sentence. La sentence. Executive sentence. La sentence exécutive. Was pronounced upon them. A été prononcée sur eux. But. Mais. Their repentance saved them. Mais leur repentance les a sauvés. How thankful we should be. Oh, combien nous devrions-nous être reconnaissants. That we have a God. Que nous avons donc un Dieu. Who repents. Qui se repent. Of the threatened evil. Donc des actions mauvaises. What I'm saying is this. Ce que je suis en train de dire c'est once cela. Once the first. Warning is given. Quand le premier avertissement est donné, there is no turning back. Il n'y a plus de possibilité de retourner en Sodom's arrière. Going to be destroyed. Sodome va être détruite. As soon as those two angels step foot into Sodom. Dès que ces deux anges ont mis leurs pieds à Sodome. Their fate is sealed. Le sort est scellé. But. Mais. There's a group of people. Il y a un groupe de personnes. Who have received the warning. Qui a reçu donc l'avertissement. And God will show mercy upon et them. Dieu va démontrer de la miséricorde envers eux. The first warning. La première, le premier avertissement. In our history. Dans notre histoire. Is already passed. Est déjà passé. A long time ago. Longtemps, il y a longtemps déjà. Even before some of you were even born. Et même avant même que certains d'entre nous soient nés. I'm talking about this history here at the end of the world. Et je parle de cette histoire là à la fin du monde. It happened a long time ago. Cela s'est passé il y a longtemps. And we're now. Et maintenant. In the warning of the second angel. Nous sommes sous l'avertissement du deuxième ange. And we're very close to the Sunday law. Et nous sommes très proches de la loi du dimanche. And there's not much time. Et il n'y a plus beaucoup de temps. But destruction. Mais la destruction. Is coming to this church. Arrive sur cette église. We read that in Daniel 2. Et nous l'avons vu dans Daniel 2. Our church is going to be destroyed. Notre église va être détruite. But we're not going to have a new church. Mais nous n'aurons pas une nouvelle église. Because from that mountain came what? Parce que de cette montagne, qu'est-ce qui est sorti? A stone. Il y a eu une pierre. The stone. Et la pierre. And the mountain. Et la montagne. Are the same church. Sont la même église. Just two groups. Sauf qu'il y a deux groupes. The wise and the foolish. Il y a les sages et les folles. The church militant. L'église militante. The church triumphant. Et l'église triomphante. And we have an opportunity. Et nous avons une opportunité. To be part of the church triumphant. De faire partie de l'église triomphante. To be those five stones. Pour faire partie de ces cinq pierres. To stand on the part of God. Qui se tiennent du côté de Dieu. And do a work for him. Et qui accomplissent une œuvre pour lui. In this time period. Dans cette période de temps. After sentence has already been pronounced upon the church. Après que la sentence a déjà été prononcée sur l'église. One more point. Un point supplémentaire. This is a warning. C'est un avertissement. In the Millerite history, dans l'histoire des Millerites, well, come here. With what I've just done so far, let me recap. Alors, récapitulons tout ce que j'ai fait là. The two warnings have come. Les deux avertissements sont arrivés. God's people have had a chance. Le peuple de Dieu a une chance. First, the leaders. Premièrement, les dirigeants. Then. Puis. Ellen White says we're not going to deal with the leaders anymore. Ellen White dit nous n'allons plus traiter avec les dirigeants. We're going to go direct to the churches. Nous irons directement dans les églises. And we're going to invite ourselves. Et nous allons nous inviter nous-mêmes. To speak directly to the people. À parler directement au peuple. But the people. Mais les personnes. Are as bad as the leaders. Sont aussi mauvaises que les dirigeants. Because they like living a sinful life. Parce qu'ils aiment avoir une vie de péché. Very few accept the message. Il n'y a que très peu de personnes qui ont accepté le message. Now Wagner and Jones. Maintenant, Atlee Jones et Wagoner. Have got their own problems. Avaient leurs propres problèmes aussi.
And they begin to succumb to pressure. Ils sont un peu succombés à la pression. We cannot begin to believe the pressure that these men are under. Et nous ne pouvons même pas croire la pression sous laquelle ils étaient, ces deux hommes. Plus, they're beginning to deal with their own humanity. Et en plus, après, ils ont commencé à traiter avec leur propre humanité. Sometimes they get a bit aggressive. Et parfois, ils étaient un peu agressifs. Sometimes they get proud. Parfois, ils étaient orgueilleux. And Ellen White keeps on warning them. Et Ellen White ne cessait de les avertir. Stay true to your message. Restez fidèle à votre message. Live what you preach. Vivez ce que vous prêchez. Don't go too far. N'allez pas trop loin. Don't stretch the truth. N'étirez pas la vérité. To make your point. Pour faire votre point. They wrestle and they struggle. Ils ont lutté. Then as you get further into this history. Et après vous allez un peu plus loin dans cette histoire. John Harvey Kellogg. Kellogg. He begins to assert his authority. Il a commencé à mettre en place son autorité. And he begins to speak with Jones. Et il a commencé à parler avec Kate Jones. He says, "Jones, you're such a great man." Il lui a dit, tu es un si grand homme. You and I could make a really good team. Toi et moi, on peut former une bonne équipe. Because you're a minister. Parce que tu es un pasteur. And I'm a medical missionary. Et moi, je suis un missionnaire médical. And we'd work good together. Et on peut travailler bien ensemble. And Ellen White tells Jones. Et Ellen White a dit à Jean, don't go there. Ne va pas là. This man is dangerous. Cet homme est dangereux. And he's going to destroy you. Et il va te détruire. But Jones, who's been given this beautiful message, à qui il a été donné ce beau message, thinks he's something. A pensé qu'il était quelqu'un. And he thinks he can handle Kellogg. Et il pensait qu'il pouvait gérer Kellogg. So he ignores the warning. Donc il a ignoré l'avertissement. And he gets destroyed. Et il a été détruit. The reason, la raison, why this movement fails. La raison pour laquelle ce mouvement a échoué. Please get this. S'il vous plaît, te retenez cela. It's not because the leaders reject the message. Ce n'est pas parce que les leaders, les dirigeants ont rejeté le message. It's not because the people reject the message. Ce n'est pas parce que les personnes ont rejeté le message. It's because the messengers. C'est parce que les messagers reject the message. Ont rejeté le message. And if you et si vous, believe these truths, si vous croyez en ces vérités, take heed to that warning. Prêtez attention à cet avertissement. Very few men, parce qu'il n'y a que très peu d'hommes or women, ou femmes can stand, peuvent se mettre debout when they're lifted up, quand ils sont élevés with fame, avec la gloire in the sight of men, dans la vue des hommes, à la vue des they hommes. Become proud. Alors à ce moment-là, ils deviennent orgueilleux. And begin to work in their own strength. Et ils commencent donc à travailler par leur propre force. It's a warning for all of us. Donc c'est un avertissement pour chacun d'entre this nous. Is what happened in this history. Et c'est ce qui se passe dans cette histoire. The rejection le rejet of the message, le rejet d'un message of reform, d'un message de réforme by the messengers, par les messagers. Whether it's John, que ce soit Jean, Jesus, Jésus, Wagner, Wagoner, or Jones, ou bien donc Jean, Jésus, Wagoner ou Jones, or Miller, ou bien Miller. We could go on and on. On peut passer en revue. A recurring theme in every single story. Le thème récurrent dans chaque histoire. Is that the leadership? C'est que les dirigeants will always reject the message. Vont toujours rejeter le message. If we remember, et si nous nous souvenons, how the Lord has led us, la façon dont le Seigneur nous a conduits, in our past history, dans notre histoire du passé, we would remember this, nous nous souviendrons de cela, at the end of the world, à la fin du monde, our leaders, nos leaders, will not accept the message, n'accepteront pas donc le message. Some will. Certains. There are Nicodemuses. Parce qu'il y a des Nicodèmes. There are Josephs. Il y a des Josephs. But by and large, mais la plus grande majorité, the message will not be accepted by them, ne sera pas accepté par eux. And it has to be taken to the people, et ce message doit être amené au peuple, with uneducated people like myself, comme par des personnes non qualifiées comme moi-même, Wagner and Jones, comme des personnes comme Ate Jones et Wagoner, John and Jesus, comme Jean et Jésus, Miller, comme Miller. All uneducated men. Tous étaient des personnes qui n'étaient pas formées. No theological credentials. Ils n'avaient pas de diplôme théologique en théologie. It's a recurring theme. Et c'est un thème récurrent. That's what the history of 1888 is about. Et c'est ce sur quoi porte l'histoire de 1888. I'm hoping.
Et j'espère if you had an idea que si vous avez une idée about the 1888 history and the message, sur l'histoire de 1888 et du message, that I've persuaded you, que je vous ai persuadé, at least to reconsider your position, que je vous ai persuadé au moins de reconsidérer votre position, in the way that I've described that history, dans la lumière que selon laquelle j'ai décrit cette histoire. I'm not fighting against the fact. Je ne me bats pas contre le fait que le message du troisième ange is justification by faith in verity. Et la justification par la foi en vérité. I'm not arguing. je ne m'oppose pas. The Wagner and Jones. Que Wagner et Jones. And the message of righteousness by faith and prophecy. Et que le message de la justification par la foi et la prophétie. Of course they did. Bien sûr que ça va ensemble. But I'm giving you the context. Mais je vous ai donné le contexte. The prophetic context of that history. Le contexte prophétique de cette histoire. How that history is going to apply to our history. De quelle façon cette histoire va s'appliquer dans la nôtre. And the warnings we need to learn. Et l'avertissement qu'il nous faut écouter. I want to read some statements about the everlasting gospel. Et j'aimerais lire quelques citations au sujet de l'évangile éternel. This is taken from Second Selected Messages. Et cela est pris de Messages choisis, volume 2. Page 106. La page 106.2. Read it again. Messages choisis, volume 2, la page 106.2. In the first angel's message, dans le message du premier ange, men are called upon to worship God. Les hommes ont été appelés à adorer Dieu. Who made the world and the things that are therein. Qui a créé le monde et les choses qui y sont contenues. This is Revelation 14, 6 and 7. Et ça, c'est Apocalypse 14, 6 et 7. She says this. Et elle dit cela. They have paid homage. Ils ont rendu hommage. To the papacy. À la papauté. Who's made the law of God of none effect. Qui a annulé, rendu sans effet la loi de Dieu. But there's to be an increase of knowledge on the subject. Mais il devrait y avoir un accroissement de la connaissance sur ce sujet. Let me give some context. Alors laissez-moi vous donner le She's contexte. Referring to this history here. Elle fait référence à cette histoire-là, 1798. Men have given homage to the papacy. Les hommes ont donné un hommage, ont rendu un hommage à la papauté. Papacy's died. La papauté est morte. Now they're free. Maintenant ils sont libérés. First angel's message comes. Le message du premier ange arrive. And it says we need to worship God. Et elle nous dit ce message qu'il nous faut donc adorer Dieu. Who created? Qui a créé? The world. Le monde. Takes you back to the story of creation. Et cela nous ramène directement à l'histoire de la création. 7 days of creation. Il y a eu 7 jours de création. Or the 6 days really. Ou bien réellement 6. Because the seventh is the Sabbath. Parce que le septième jour c'est le sabbat. So it's a message about the Sabbath. Donc c'est un message concernant le sabbat qui est introduit ici. 1798. Donc 1798. She said. Elle dit, there's to be an increase of knowledge on the subject. Il y aura un accroissement de la connaissance sur le sujet. It's an everlasting gospel. C'est un message de l'évangile éternel. In this history, our history. Et dans cette histoire des millérites, celle de 1898, so we're going to have the everlasting gospel in our history. Donc dans notre histoire, nous aurons l'évangile éternel. And we think, et nous pensons, we're the experts on the Pope. Que nous sommes des experts sur le pape. On Catholicism. Sur le catholicisme. On the Sunday law. Sur la loi du dimanche. But she's already warned. Mais elle est en train de déjà nous avertir qu'il y aura un accroissement de la connaissance. What do you know new about the Pope? Que savez-vous qui est nouveau sur le pape? About his activities. Sur ses activités. Most Adventists. La majorité des Adventistes. Know nothing. Ne savent rien. Because they're looking in the wrong place. Parce qu'ils regardent au mauvais endroit. We're going to see. Nous allons voir. Connected with the everlasting gospel. En lien avec l'évangile éternel. There's an increase of knowledge. Qu'il y a un accroissement de la connaissance. On this subject. Sur le sujet. Of the papacy. De la papauté. Today is Thursday. Aujourd'hui c'est jeudi. Tomorrow is Friday, obviously. Demain, c'est vendredi. And we're going to have Vespers here. An evening presentation again. Nous aurons donc une autre présentation. And we're here all day Sabbath. Et sabbat, nous sommes là toute la journée. Hein. It's my hope. C'est mon espoir. By the end of today and tomorrow. Qu'à la fin d'aujourd'hui et de demain. I'll have laid up enough foundation. Je vais vous dresser suffisamment de fondements. That you'll be comfortable. Afin que vous soyez confortable. With the 3 steps. Avec ces 3 étapes. With the time of the end. Avec le temps de la fin. And its relationship. Et sa relation. To the close of probation. Avec la fin du temps de grâce. So let me put that here. Donc laissez-moi placer cela ici. Hein.
The close of probation. La fin du temps de grâce. Third step. La troisième étape. Time of the end, first step. Le temps de la fin, première étape. We're going to explain that a little bit more. Nous allons expliquer un peu plus cela. Give some more context to that. Pour vous donner un peu plus de contexte. So by Sabbath. Afin que pour d'ici le sabbat. We'll have completed our crash course. Our squashed up. Nous seminar avons fait donc notre séminaire, on va dire rapide, hein, on condensé sur l'évangile Because éternel. Normally, parce que normalement, I will spend 15 to 20 hours doing this. Parce que je passe 15 à 20 heures pour faire so cela. So it's really clear. Afin que ce soit très clair. So on Sabbath, donc sabbat, we're going to talk about some increase of knowledge. Nous allons parler de cet accroissement de la connaissance. On the work. Sur l'œuvre. What's going on behind the scenes. Qui a lieu en dehors de la scène, derrière la scène. That many Adventists are not familiar with. Et que la majorité des Adventistes ne sont pas familiers. We're going to try and discuss some issues on the chart. Nous allons essayer de discuter de certains points sur la carte. And we're going to also look at some issues in Daniel chapter 11. Et nous allons aussi regarder certains points sur Daniel 11. So I need to lay some foundation work today and tomorrow. Mais j'ai besoin de poser des fondations donc sur notre avant cela demain. For that to happen. Et aujourd'hui pour que cela puisse se passer. Speaking to a sister yesterday or the day before. Et j'ai parlé à une sœur hier ou bien avant-hier. She said. Et elle m'a dit, she's happy with this presentation. Elle est contente avec cette présentation. But I'm going very fast. Mais je vais très vite. Believe me, this is slow motion. I'm going in Mais, really. Vraiment, croyez-moi, je vais vraiment très lentement. I'm going a lot faster. Parce que je vais beaucoup plus vite. And I'm going to many, many different stories. Et je vais dans plusieurs histoires différentes. And it's difficult. Et il est difficile. I realize that. Je réalise cela. But on Sabbath. Mais sabbat. I want to talk about some current affairs that are happening in the world. Je veux vous parler des affaires courantes qui se passent dans le monde. To show you. Afin de vous montrer. Some of the way. Certaines voies. We're supposed to understand prophecy. Pour nous montrer de quelle façon nous devons comprendre la prophétie. To bring it afin de l'amener into a present truth dans une vérité, dans une situation de vérité présente. So you can see afin que vous puissiez voir how things are impacting your life. Comment les choses impactent directement votre vie. So you know the most important thing that's happened recently. Donc vous savez les choses les plus importantes qui se sont passées récemment. In the last 3 months. Dans les 3 derniers mois. Is the election. C'est l'élection of President Trump. Du président Trump. Now I want to tell you. Donc j'aimerais vous dire this man que cet homme is recorded in the Bible. Est enregistré dans la Bible. He's there in the Bible. Il se trouve dans la Bible. And you can see et vous pouvez le voir through all the symbology. Dans tous les symboles. When you see the symbols for what they are. Quand vous voyez, vous comprenez les symboles tels qu'ils sont. So on Sabbath I want to try and explain that. Donc sabbat, je vais essayer d'expliquer cela. And hopefully some other things if we have time. Et j'espère d'autres choses si nous avons le temps. But on Sabbath we're going to have to go a little bit faster. Mais sabbat, il nous faudra aller un peu plus vite. And I'm going to have to, you're going to have to, I'm going to have to assume that you know things which et you don't. Et je vais donc assumer que vous connaissez des choses que vous ne connaissez pas. Like symbols. Comme and les what symboles. They mean. Comme les symboles et ce qu'ils signifient. What I want to leave you with is this. Ce que j'aimerais avec ce avec quoi j'aimerais vous laisser. When you understand the Bible. Quand vous comprenez la Bible. In this way. De cette façon. It becomes exciting to read. Ça devient excitant à lire. It becomes purposeful. Ça a un but. They're not children's stories. Ce ne sont plus des histoires d'enfants. I want you to look at your Bibles in a new way. J'aimerais que vous regardiez votre Bible mais d'une nouvelle façon. Does everybody know Esther? Est-ce que tout le monde connaît Esther? Story of Esther. L'histoire d'Esther. This king. Ce roi. Divorces his wife. Qui se divorce de sa femme. It's against the law. C'est contre la loi. Marries Esther. Il se marie à Esther. Is Esther good or bad? Esther, elle est bonne ou elle est bien? Elle c'est une bonne personne ou pas? She's a good woman. Est-ce que c'est une bonne femme ou pas? Yes. Oui. But she's committed adultery. Mais pourtant elle commet l'adultère. Because her husband parce que son mari divorced his first wife s'est divorcé de sa première femme because she didn't listen to him parce qu'elle ne l'a pas écouté
That's all that she did. Parce que c'est tout ce qu'elle a fait. He said, "Can you come into the room?" Il lui a demandé de venir dans she la said, salle. Not today. Elle lui a dit pas aujourd'hui. He says, "I'll divorce you and I'll marry someone else." Donc il lui a dit, je te divorce et je divorce de toi et je me marie à quelqu'un d'autre. He marries Esther. Et c'est marié à Esther. So Esther's in a full-blown adulterous relationship. Donc Esther se trouve dans vraiment d'une relation adultère. Say amen if you can see si that. Si vous voyez cela, dites amen. Does that change your viewpoint of who Esther is? Est-ce que ça vous ça change votre image de qui est Esther? Who's the king she marries? Elle s'est mariée avec quel roi? Is he a Jew? Est-ce un juif? No, he's a Persian. C'est un Perse. Do you know it's against the law? Vous savez que c'est contre la loi. To marry someone outside of your faith. De se marier avec quelqu'un qui est hors de votre foi. So you got two strikes against Esther. Donc là vous avez deux points contre Esther. And we all think she's good. Et nous pensons tous qu'elle était bien. Her cousin, son cousin, gets all the Jews in trouble. A fait en sorte que tous les Juifs soient en difficulté. What will he do? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il voulait pas faire? Says, I'm not going to bow down to that man. Il a dit, je vais pas m'agenouiller devant Haman. Cet homme, Haman. Do you know the story? Vous connaissez l'histoire. And all the nation is going to die because of this. Et à cause de cela, toute la nation va mourir. Because he won't bow. Parce qu'il ne voulait pas s'agenouiller. So here comes Esther. Et voilà Esther. After she's married. Après qu'elle soit mariée. And what did she do before the king? Et qu'est-ce qu'elle va faire devant le roi? Bows. Elle va s'agenouiller. Before a man. Devant un homme. Third thing she breaks. Donc trois choses qu'elle a transgressées. She's not a good woman. Ce n'est pas une bonne une femme de bien. So you need to rethink. Il vous faut donc réfléchir à nouveau. You need to reread what the story of Esther is teaching you. Il vous faut lire de nouveau ce que nous enseigne l'histoire d'Esther. I say it seriously. Et je le dis de façon read the book of Esther. Lisez le livre d'Esther. And you won't read the name of God once in that whole book. Et dans ce livre, vous n'allez pas lire trouver une seule fois le nom de Dieu. It's a book that doesn't even talk about God. Parce que c'est un livre qui ne parle même pas de Dieu. Why is it even in the Bible? Alors pourquoi se trouve-t-il dans la Bible? There are many, many questions. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. The people don't understand. Que les personnes donc ne comprennent pas. About many of the books. Sur plusieurs livres. So. We tend to focus. Donc nous avons essayé de nous focaliser on the Gospels, sur l'Évangile, on the Epistles of Paul, sur l'Épître de Paul, because it's familiar territory. Parce que c'est un territoire familier. And we could have a sermon. Et nous pouvons avoir un sermon. That says, "Be nice." Disant, soyez bon. Don't lie. Ne mentez pas. Be a good woman. Soyez une femme de bien. Be a loving husband. Soyez un mari aimant. And that's pretty much the level of most sermons today. Et c'est quasiment le niveau de la plupart des sermons aujourd'hui. And here I am. Mais me voici là aujourd'hui. After you heard a sermon saying, "Be like Esther, a good woman." Après avoir entendu un sermon disant, soyez comme Esther, une femme de bien. And it took me 30 seconds. Et cela m'a pris quelques secondes. To destroy your image of who Esther is. Pour détruire l'image que vous avez d'Esther. And it's all information you already know. Et ce sont des informations que vous connaissez déjà. But you never thought about. Mais vous n'y avez pas pensé. So I'm saying you need to rethink your understanding of these stories. Donc c'est pour ça que je vous dis, il vous faut repenser à votre compréhension des histoires. The story of Esther. L'histoire d'Esther. Is a prophetic story. C'est une histoire prophétique. What is a woman in Bible prophecy? Qu'est-ce qu'une femme dans la prophétie biblique? A church. Une so église. I want to start off by saying. Donc je vais commencer par dire. Esther. Esther. Is a church. Est une église. Esther is a church. Esther est une église. And when you see that. Et quand vous voyez cela. The story begins to make sense. L'histoire commence à avoir du sens. What did Jesus do? Qu'est-ce que Jésus fait? With the Jews. Avec les Juifs. After they killed him, après qu'il l'ait tué, and stoned Stephen, et lapidé Étienne, he divorced them. Il les a répudiés. He divorced the Jews. Il a divorcé des Juifs. And who did he marry? Et il s'est marié à qui? The New Testament Church. À l'Église du Nouveau Testament. So there's a divorce. Donc il y a un divorce. And a marriage. Et un mariage. Between who? Entre qui? Christ, entre Christ and two women, et deux femmes, two churches, deux églises. Read the story of Esther. Lisez l'histoire d'Esther. Have a think about that. Et pensez à cela. And see if you connect anything. Et voyez si vous pouvez le mettre en lien avec Jesus.
Là, c'est Jésus. Doesn't like one woman. Jésus n'aime pas une the femme. The Jews. Il n'aime pas les Juifs. Because he said do something. Parce qu'il leur a dit de faire quelque chose. And they disobeyed. Et ils ont désobéi. Gets rid of that one. Donc, lisez cela. And then marries another one. Donc, il s'est répudié de celle-là et il s'est donc marié à une autre femme. So you can begin to see. Et là, vous pouvez commencer à voir. If you're willing, many, many different things in si the vous le voulez, si vous le voulez, beaucoup, beaucoup de choses différentes. There's to be an increase of knowledge on this subject. Parce qu'il y aura un accroissement de la connaissance sur ce sujet. The message. Le message. Is the everlasting gospel. C'est l'évangile éternel. This gospel message is Revelation 14. Ce message, c'est Apocalypse 14. Second selected message is 106. We're reading. Nous avons lu deux message choisi, volume 2, page 106 en anglais. She says this. Elle nous dit cela. It's the same gospel. C'est le même évangile. That was declared in Eden. Qui a été déclaré en Eden. Genesis 3:15. Genèse 3:15. I'll put enmity. Je placerai une inimitié. Between the seed of the woman. Entre la postérité de la femme. And the seed of the serpent. Et la postérité du serpent. This message. Ce message. The message of Revelation 14 is the same gospel. Le message d'Apocalypse 14 est le même évangile. It's the good news. C'est la bonne nouvelle. That Jesus will save you. Que Jésus va vous sauver. If you repent. Si vous vous repentez. If you don't. Et si vous ne le faites you're pas. Be lost. Vous serez perdu. Two brothers. Il y a deux frères. Cain and Abel. Cain et Abel. They come from the same womb. Ils viennent du même utérus. One's going to receive a mark of the beast. L'un va recevoir la marque de la bête. And go into the land. Et va aller dans le pays. Of the wilderness. Dans le désert. And one's going to be saved. Et l'autre sera sauvé. Cain and Abel, Cain et Abel is the gospel story. C'est l'histoire donc de l'évangile à partir du commencement to the end, jusqu'à all the way la through, fin, tout au two long. Classes. Il y a deux catégories de personnes. The angel, l'ange, that proclaims the everlasting gospel, l'ange qui proclame l'évangile éternel, proclaims the law of God, proclame la loi de Dieu. For the gospel of salvation brings to men obedience of the law. Car le gospel du car l'évangile du salut amène aux hommes à l'obéissance de la loi de Dieu. Whereby their characters are formed after the divine similitude. Alors que leur caractère soit est formé après d'après la similitude divine. But very erroneous work has been done. Mais il y a un travail faux erroné qui a été fait by the church. Par l'église. Again and again. Encore et encore. Again and again means in the past. Encore et encore, c'est le passé. And will continue to be done. Et continuera d'être fait. Into the future. Là, c'est le futur. Ellen White is saying this. Ellen White dit cela. The church. L'église. Is doing much error. Commet beaucoup d'erreurs. And they're going to continue to do error. Et elle va continuer à faire des erreurs. And this is the error that they're doing. Et voici l'erreur qu'elle fait. They will continue to be done. Des erreurs qui vont continuer à être faites by those par ceux in the church dans l'église who seek to find new light in the prophecies. Qui cherchent à trouver de la nouvelle lumière dans les prophéties. They want to explain them in a new way. Ils veulent expliquer les prophéties d'une nouvelle façon. And who begin et qui commence by turning away en se détournant from the light that God has already que given. La lumière que le Seigneur a déjà donnée. God's already given this history. Dieu a déjà donné cette histoire. 1888. Ainsi que celle de 1888. The story of Noah. L'histoire de Noé. Esther. L'histoire d'Esther. Lot, de Lot. Jesus. De Jésus. Don't turn away from those stories. Ne vous détournez pas de ces histoires. I was speaking to someone. J'étais en train de parler à quelqu'un. They said, you like going to all the stories, don't you? Et il me dit, tu aimes aller dans les anciennes histoires, n'est-ce and pas? And I thought to myself. Et je me suis dit à moi-même. Why do you think that's so strange? Pourquoi ils pensent que c'est si étrange? Isn't that what you're supposed to do? N'est-ce pas ce que nous sommes supposés faire? Because at the end of the world. Parce qu'à la fin du monde. What our church wants to do. Ce que notre église cherche à invent, faire. Is invent. C'est d'inventer. Create from nothing. Quelque chose qui sort de nulle a part. A new gospel. Un nouvel évangile. And she warns us. Et là, Ellen White nous avertit. It's the error that the church does c'est over and over again. Que l'église fait encore et encore. They turn away. Elle se détourne. From the light. De la lumière. That God has already given. Que le Seigneur nous a déjà donné. Ellen White's first vision here. Et la première vision d'Ellen White. We drew it out yesterday. Nous l'avons dessinée hier. There's a path. Il y a un chemin. And how do you get to heaven? Et comment arrivons-nous au ciel? Because there's light. Parce qu'il y a une lumière. And the light is here. Et la lumière, elle est là. Directing their path. Elle éclaire leur chemin. It's behind them. Cette lumière est derrière eux. Does anybody know where that light comes from? Est-ce que quelqu'un sait d'où vient cette lumière? Comes from the history of this movement. Elle vient de l'histoire de ce mouvement. Right here. Des Millérites, là.
It's called the midnight cry. Et elle, c'est un, on l'appelle le cri de minuit. She says, et elle nous dit, this is the light of the midnight cry. C'est la lumière issue du cri de minuit. Hein. She says, et elle nous dit, they turn away from that light. L'église se détourne de cette lumière. Be very careful. Soyez très prudent. Because there were men, car il y a des hommes, after 1844, après 1844, who she was warning, à qui elle avertissait, to not turn away from the light. De ne pas se détourner de la lumière. They didn't listen. Mais ils n'ont pas écouté. And they became our enemies. Et ils sont devenus donc nos ennemis. It's a recurring theme again and again. Donc c'est encore un thème récurrent qu'on trouve à maintes reprises. And will continue. Et il va continuer. Don't be surprised. Ne soyez donc pas surpris. When I leave, quand je partirai, there's going to be a shaking. Qu'il y aura un criblage. In your island, sur votre île. When people are going to begin to resist what I teach. Quand les personnes vont commencer à résister à mon à l'enseignement que je prêche. Because I'm teaching. Parce que je suis en train d'enseigner. History after history. C'est que histoire après histoire. Is repeated. L'histoire se répète. These messages are Revelation 14. Donc ces messages sont issus d'Apocalypse 14. By which the church and the world are to be tested. Par lesquels donc le monde et l'église seront testés. Are the everlasting gospel. C'est l'évangile éternel. Christ object lessons 226. Donc parabole de Jésus 226.3. The gospel message. Le message de l'évangile. Given by Jesus. Donné par Jésus. And his disciples. Et ses disciples. Was the announcement était l'annonce of the first advent, du premier avènement, the gospel message, le message de l'évangile. It gave to men, il a été donné aux hommes, the good news of salvation, la bonne nouvelle du salut, through faith in him, par through faith in him, par la foi en lui. This message, ce message, is to be given again, doit être donné de nouveau, today, aujourd'hui. John, in the book of Revelation, dans le livre de l'Apocalypse, foretells the proclamation, annonce donc cette, prédit cette proclamation, of the gospel message, du message de l'évangile, just before Christ's second juste advent, avant la deuxième venue de Christ. In the prophecy, dans la prophétie, this warning, cet avertissement, of the judgment, cet avertissement du jugement, with the connected messages, avec les messages en lien, comes just before the second advent, viennent juste avant la deuxième venue. The proclamation of the judgment, la proclamation du jugement, is that Jesus, est que Jésus, is about to return, est sur le point de revenir. And this proclamation, et cette proclamation, is the everlasting gospel, est appelée l'évangile éternel. That's what I'm teaching. Et c'est ce que j'enseigne. I want to show you, je veux vous montrer, that Jesus is about to return, que Jésus est sur le point de revenir. But before that happens, mais avant que cela n'ait lieu, probation will close. La probation va se terminer. First for God's church. Premièrement pour l'église de Dieu. Then for the world. Et ensuite pour le monde. And the way you understand this message. Et la façon dont vous comprenez ce message. The way that you will be saved. La façon dont vous serez sauvés. Is when the sentence is given. C'est lorsque la sentence est annoncée. At the first step. À la première étape. What she calls the proclamation of the gospel. Ce qu'elle appelle la proclamation de l'évangile. You need to repent. À ce moment-là, il vous faut vous repentir. Turn over a righteous life. Et entrer dans une vie juste. So that when judgment happens, you'll be saved. Afin que lorsque le jugement se passe, vous soyez sauvés. She then says this. Et ensuite, elle déclare cela. The gospel invitation. L'invitation de l'évangile. Is to be given to all the world. Doit être donnée au monde entier. First the church. Premièrement l'église. Then the world. Ensuite le monde. She says to every nation, kindred and tongue. Elle dit à toute nation, tribu et langue. And she's quoting Revelation 14 verse 6. Et là elle est en train de citer Apocalypse 14 6 à 7. All this is in the future. Tout cela se passe dans le futur. Then she says this. Et ensuite elle dit cela. The last message of warning. Le dernier message d'avertissement. Right here at the end of the world. Là à la fin du monde. The last message of warning. Le dernier message d'avertissement. And mercy. Et de grâce. Warning and mercy joined together. L'avertissement et la miséricorde se joignent ensemble. The death sentence. La sentence de mort. And the opportunity to repent. Et l'opportunité de se repentir. Justice. La justice. And mercy. Et la grâce. She then says this. Et ensuite elle dit cela. The last message. Le dernier message. Is to lighten the whole earth. Doit éclairer la terre entière. With its glory. Avec sa gloire. Do you know what Bible verse she just quoted? Savez-vous de quel verset biblique elle parle là? Let's turn to Revelation 18. Allons dans Apocalypse 18. Verse 1. Le verset 1.
I'm going to read the statement again. Je vais lire cette citation de nouveau. And then we'll read the verse. Et ensuite nous allons lire le verset. Revelation 18 verse 1. Apocalypse 18 verset 1. She says this. Et elle dit cela. The last message of warning. Le dernier message d'avertissement. To God's church, to you. À l'église de Dieu, à vous. Is a warning. Est un avertissement and mercy et de grâce that's going to lighten the earth with qui his va glory. Donc éclairer la terre de sa gloire. Read verse 18, Apocalypse 18, 1. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. So you clearly are told here, il vous est dit clairement ici there's going to be an angel that comes down, qu'il y aura un ange qui va descendre and its work et son œuvre will be to lighten the whole earth with its glory. Consiste à éclairer la terre entière de sa gloire. This is the last warning that you're going to receive. C'est le dernier avertissement que vous allez recevoir. If you don't accept it now, et si vous ne le recevez pas maintenant, destruction is certain. La destruction est assurée. You will die. Vous allez mourir. This is a life and death message. C'est un message de vie ou de mort. Comes in two steps. Qui arrive en deux étapes. Before the death. Avant la mort. Step one. L'étape 1 step two, et l'étape 2 is found in these verses, et cela se trouve dans ce verset and it begins, et il commence in Revelation 18, verse 1, dans Apocalypse 18 le verset 1 the last warning that you're going to receive. Et c'est le dernier avertissement que vous allez recevoir and it's not a love message, et ce n'est pas un message d'amour it's a message of warning and mercy. C'est un message d'avertissement et de miséricorde. Ezekiel 37 says it's a prophetic warning. Dit que c'est un avertissement prophétique. So what we want you to understand, donc ce que nous aimerions que vous compreniez, is that this last prophetic warning, c'est que ce dernier avertissement prophétique is the everlasting gospel, est l'évangile éternel. The everlasting gospel, l'évangile éternel is a three-step prophetic message, c'est un message prophétique en trois étapes that will first develop, qui premièrement va développer two groups of people, deux groupes de personnes. First in the church, then in the world. Premièrement dans l'église et ensuite dans le monde. And then, et ensuite, they will be exposed. Ils seront exposés. And everybody will see, et tout le monde verra who is who. Qui est qui. At the moment, à ce moment, you can't see. Vous ne pouvez pas le voir. But mais there are people, il y a des personnes who are accepting these truths, qui ont accepté ces vérités, and there are people, et il y a des personnes who are rejecting these truths, qui ont rejeté ces vérités. And she said, et elle dit, the warning of judgment, l'avertissement de jugement, with its connected messages, c'est des messages qui sont en lien. And there are many connected messages, et il y a plusieurs messages connectés that are on this chart, qui sont donc sur cette carte that we have rejected as que God's nous people. Avons déjà rejeté en tant que peuple de Dieu. 677 rejected. A été rejeté. 508 508 is rejected. A été rejeté. You might not be familiar with those dates. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec ces dates. But if I explain to you, mais si je vous explique, the prophecies that are connected to them, les prophéties qui sont en lien avec elles, you will remember them. Vous allez vous souvenir d'elles. The 2520. Les 2520. So on this chart, qui se trouve sur cette carte, is rejected by God's people. A été rejeté par le peuple de Dieu. She says here, et il nous a dit ici, it's connected to the warning message. Ces messages sont connectés avec le message d'avertissement. On Sabbath, we have question and answers. Au Sabbat, nous avons une session de questions et de réponses. Feel free to ask me about that. Et sentez-vous libre de me poser des questions in sur the ce book sujet. Of Daniel, et dans le livre de Daniel, there are five verses. Il y a cinq versets. Three in chapter 8. Trois au chapitre 8. Chapter 11 and chapter 12. Et chapitre 11 et 12 speaks about the daily, qui nous parle donc du perpétuel. People misunderstand what the daily is. Et les personnes ne comprennent pas ce qu'est le perpétuel. On the chart, sur la carte, 508. 508. Feel free to ask about that if you want. Et sentez-vous libre à poser des questions sur cela, si what vous voulez. I want us to see, ce que j'aimerais que vous voyez, is that the last warning message, c'est que le dernier message d'avertissement that you are going to receive, que vous allez recevoir, is the everlasting gospel, c'est l'évangile éternel. When Revelation 14, quand Apocalypse 14, verses 6 to 11, 6 à 9, clashes, rencontre,
with Revelation 18. Rencontre Apocalypse 18. And this is going to happen before the Sunday law. Et cela va se passer avant la loi du dimanche. Before the third step. Avant la troisième étape. Which is the death of Adventism. Qui est donc la mort de l'adventisme. Before that, you receive a warning. Mais avant que cela n'arrive, vous recevez un avertissement. And you're not going to get the warning. Et vous ne recevrez pas cet avertissement. From the regular lines in the church. À partir des lignes régulières de l'église. Because they don't believe. Parce qu'ils ne croient pas en ces vérités. So you're left with a decision. Donc vous êtes laissé avec le choix. Is this truth? Si c'est vrai. Based upon history repeating. Basé sur la répétition de l'histoire. Or is it just a false message? Ou est-ce juste un faux message? One of many. Un message parmi tant d'autres. Winds of doctrine that are in Adventism today. Les vents de doctrine qui se trouvent dans l'adventisme aujourd'hui. As we go through our studies. Et alors que nous allons poursuivre notre étude. You need to make a decision. C'est à vous de faire prendre votre décision. Tomorrow. Demain. We're going to firm up on this understanding of the time of the end. Nous allons parler donc du temps de la fin. Its appuyer notre compréhension de sa relation avec la fin du temps de grâce. We're going to speak about Noah. Nous allons parler de Noé. And we're going to make a prophetic application. Et nous allons faire une application prophétique. On Sabbath. Sabbat. We're going to speak about the presidential election. Nous allons parler de la présidentielle, des élections présidentielles. Donald Trump means to you and I. Et ce que Donald Trump représente pour vous et moi. As is portrayed in Bible prophecy. Tel qu'il est décrit dans la prophétie biblique. Let's pray. Prions. Heavenly Father. Père céleste. We ask and pray that you would be with us. Nous te prions et te demandons d'être avec nous. We've covered many topics. Nous avons couvert beaucoup de sujets. It's my hope and prayer. C'est mon espoir et ma prière. That through all of these complex subjects. Qu'au travers de tous ces sujets compliqués. That a truth is coming through. Que la vérité sort. A simple truth. Une vérité simple. That even people who are new can understand. Que même des personnes nouvelles soient en mesure de comprendre. That the everlasting gospel. Que l'évangile éternel. Comes in three steps. Arrive en trois étapes. The first two warnings. Les deux premiers avertissements. Prepare a people. Prépare un peuple. If they're willing to accept. S'il est consentant. That this is the gospel message. Et ça c'est le message de l'évangile. And it's based upon history repeating. Et il est basé sur la répétition de l'histoire. If only. Si seulement. We went back to our own history. Nous étions retournés vers notre ancienne histoire. Our roots. Nos racines. And see how you created us. Et voir de quelle façon tu nous as créés. Out of Babylon. Créé hors de Babylone. If we learned those lessons, si nous apprenons ces leçons, we wouldn't be afraid today. Nous ne serions pas effrayés aujourd'hui. We'd be calm. Nous serions calmes and ready et prêts for the soon coming Sunday law. Pour la loi du dimanche qui est imminente. But Father, we're lost and undone. Mais Père, nous sommes perdus. Hein. We don't know our history. Et misérables, et nous ne savons pas notre histoire. Our forefathers. Nos pères. Have taught us error. Nous ont donc enseigné des erreurs. And lies. Et des mensonges. And for many of us. Et pour plusieurs d'entre nous. We don't even know this. Nous ne le savons même pas. We have a little bit of time left. Il nous reste que peu de temps. To prepare for the closing scenes. Pour être prêt pour les scènes finales. Help us, Father. Aide-nous, Père. To put aside the cares and worries of this life. À mettre de côté les soucis et les difficultés de cette vie. And prepare. Et d'être prêt. For the soon coming close of probation. Pour la fin du temps de grâce qui est imminente. The third step. La troisième étape. Where the sentence. Quand la sentence. Is going to be put into effect. Va être mise en va être exécutée. We pray in the name of Jesus. Nous Amen. Te prions dans le nom de Jésus. Amen.